Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, vous? Bonsoir tout le monde, bonsoir Cathy, bonsoir Frédéric, bonsoir Sylvie. Salut. Alors Sylvie, je tenais juste à te dire quelque chose avant d'accueillir le monsieur qui se trouve à notre gauche. Ah, c'est à leur droite, du coup. À leur droite, à votre droite, après. Qui se retrouve là en face de nous, parce que nous, il en passe, c'est un peu compliqué. On tenait à te dire, à t'expliquer sur la chirurgie. Alors, sur la chirurgie réparatrice de vendredi dernier, non, mardi. Après, il y avait des images. Après, on sait ce qu'on va chercher dans la chirurgie réparatrice. Et on trouvait que c'était important qu'on montre des images, parce que c'est comme ça que ça se passe. Après, on a été coupé. Donc, c'est pour ça qu'on est un peu en galère sur le Facebook, parce que quand on expose des photos, des images, donc on passe par un autre biais, c'est pour ça qu'on a eu des problèmes depuis quelques temps. Mais par contre, on pensait que c'était important et je pense que pour ceux qui sont allés au bout de cette démarche, il faut vraiment saluer le chirurgien esthétique qui est venu, le docteur Beccara, parce qu'il a essayé de parler le plus simplement possible pour expliquer ce qu'était vraiment la chirurgie. Donc après, il y a des images qui peuvent heurter, bien sûr. Mais après, on a pris le parti. Je pense qu'on n'en a même pas discuté avec l'autre parce qu'on pensait, on a pris le parti, mais c'était sur une entente mutuelle, parce qu'on pensait que c'était important de faire voir vraiment comment ça se passait. Donc après, si vous avez été choqué par certaines images, ce n'était pas le but. Mais par contre, après, ceux qui sont allés au bout, on espère vraiment que vous avez eu de l'information, que vous avez compris certaines choses et que vous avez vu que la médecine progresse pour, dans l'intérêt du patient, avec plein de choses qui sont quand même des avancées qui sont bien. Voilà pour le petit... La petite aparté. C'est ça. Donc, on va accueillir quand même la personne de droite et de gauche et du centre, n'est-ce pas? Comme ça, on est sûr que... Voilà, comme ça, pas de politique. Très bien. Donc, je vous laisse vous présenter. Et bonsoir à tous, c'est à moi là, d'accord. Bonsoir à tous, je m'appelle Eric Pereira, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Montpellier, donc plutôt sociologue. Je fais partie du laboratoire Santé-SI, qui est un laboratoire de sciences sociales qui s'intéresse aux situations de handicap dans différents domaines, la santé, les loisirs sportifs, le monde professionnel, etc., etc. Vous voulez que je vous présente mes travaux, du coup? C'est ça? Oh, ouais. Ça peut être vraiment pas mal. Écoutez, depuis quelques temps, je travaille sur l'accessibilité des personnes handicapées aux loisirs de pleine nature. Donc, avec quelques collègues, on s'intéresse à des pratiques comme le fauteuil tout-terrain, le handiski et d'autres. Mes travaux antérieurs s'intéressaient plutôt à la thématique des transformations des corps et notamment je me suis un peu penché sur l'univers du bodybuilding, l'univers du muscle et un peu de mal à dire. Elle a fait des cours. J'ai pris des cours parce qu'il fallait que j'arrive à le caser. Bon, tu l'as casé donc j'aurais pas à le dire, mais on s'est beaucoup foutu de moi. Je n'ai pas l'accent comme le tien, en fait. Et dans cette thématique, sur les transformations des corps, depuis peu, voilà, on s'intéresse aussi au phénomène de l'obésité, mais on est au balbutiement. Donc, on a commencé tout un tas d'entretiens sur les solutions, notamment la chirurgie bariatrique. Donc, on a démarré le travail, on commence à peine les analyses. Voilà. Voilà où j'en suis en termes de projet de recherche. Très bien. Donc, on va lire juste les petits messages. Donc, bonsoir Frédéric, bonsoir la planète. Comment allez-vous? Vive Annick et vive l'or, tu vois. On a nos fan clubs, c'est bien, ça fait plaisir. Et puis après, il dit un jour, Jeanne Masse enchantée en rouge et noir. Rouge et noir. Donc, il manque une personne en jaune. Ça, c'était hier, pour faire le drapeau de la Belgique. Ah, hier, j'avais donc, mon beau t-shirt jaune qui fait valser, d'accord. Non, ça c'est fait ça. Donc, si Eric, tu avais eu du jaune sur toi, tu aurais fait le bonheur de notre ami belge qui s'appelle Frédéric et qui est vraiment un être d'exception. Donc, on espère, comme on sait que c'est un peu compliqué, qu'aujourd'hui, tu vas apprendre et merci d'être parmi nous ce soir.
Donc, pour revenir à ce que disait Eric, on va parler aujourd'hui de l'image du corps, de l'évolution, des représentations et peut-être de stigmatisation et puis enfin, un peu de tout ça. Donc, on va vous mettre notre petit PowerPoint qui va bien. PowerPoint. Je ne passerai pas à bodybuilding aujourd'hui. Ah, tu m'étais. Et l'autre, c'était, à chaque fois, je me rappelle plus. Speakerine. Ah oui, speakerine, bodybuilding et... Non, et speakerine. Non, il y en avait une autre. L'autre, stéthoscope. Oui, oui. Ah, le tiers, c'est grand, gagnant. C'était un brûlant. Regardez-moi oh, ça. Ah, oh là là, mais quelle chance il a cet homme au milieu de ces deux jeunes plantes. Ah, plantes. Ces jeunes pousses, des pousses. Ah oui, des petites pousses. Nous sommes des pousses. Donc, quand on parle de, voilà, du sourire et au milieu, eh ben non. Une vieille photo. C'est, je ne sais pas où vous l'avez trouvée, mais... Mais c'est la seule qu'on a sur Internet. Ça, parce que sinon, après, j'ai trouvé, je crois que tu avais 12 ans et demi, en fait. Ah, ok, ok, ok. On fera un shooting. On fera un book. On fera un book, Eric. On te mettra Pipo sur l'épaule. Donc, bonjour Cécile et bonjour Marilyn. Et belle plante. Ouh, t'avais, alors, je ne sais pas si c'est pour toi le compliment, mais sur Facebook, il y a marqué « et belle plante ». Je pense que ce n'est pas pour nous. Donc... Qui veut prendre, d'accord. Il doit se demander, mais où. Il doit se dire, mais je suis passée où. Ça va bien se passer. On t'a dit que c'était… Ça me change. Ça, oui, ça te change de l'historien, ça c'est sûr. Ouais. Salut Karine. Allez. Donc voilà, donc ça c'était un peu qu'est-ce que l'image corporelle, donc on parle d'image corporelle, schéma corporel, donc on a essayé de définir, de donner la définition de l'image corporelle. Donc, ouais. Laure. Donc c'est la façon dont une personne perçoit son corps et la façon dont elle croit que les autres la perçoivent. Et cette perception peut être réelle ou non et comporter des pensées et des sentiments positifs ou négatifs sur plusieurs, comment on appelle ça ? Mais pas contexte, mais tu as compris ? Domaine. Domaine, ouais, dans plusieurs critères, domaines. Critères, voilà, c'est ça, critères. Donc, le poids, la taille, la couleur de peau, l'ethnicité ou toute autre caractéristique physique. On dirait M. Perrera qui a écrit... L'ethnicité, moi, je on dirait M. Perrera qui a écrit le diapo, c'est terrible. C'était charmant. Donc, en fait, c'est ça, c'est la définition de l'image corporelle. On va voir que... dans tous ces paramètres-là et dans toutes ces dimensions. Mais par contre, je pense que la composante de tout ça va faire qu'il va y avoir un impact important sur qui est en rapport avec l'estime de soi. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Après, je pense que cette perception, elle est aussi influencée par notre société. Elle est fabriquée, et on prend des repères dans un environnement bien précis, culturel, et on verra d'une société à une autre, hein, ce n'est pas tout à fait les mêmes manières de percevoir le corps. Et puis en plus, on va voir sur les autres diapos, puisque je pense que tous les deux vous avez vu le diapo, puisqu'on l'a créé ensemble, en équipe, la pluridisciplinarité. Donc on va voir justement cette évolution, et justement l'évolution et la perception de l'image du corps de la femme, là on était plus sur l'évolution, en fonction des différentes, et ça remontait à Louis, des différentes époques, et en fait maintenant, qu'est-ce que c'est qui interfère dans la perception de l'image corporelle? Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'est très difficile d'avoir sa propre perception de sa propre image, en fait, parce que c'est parasité par plein de choses qui vont influencer et encore plus dans la société actuelle. Et surtout qu'on n'a pas les mêmes critères, même si on prend le poids, la taille, la couleur de peau, l'ethnicité, tout ça, les critères bien avant n'étaient pas les mêmes, en fait, parce que la représentation d'une femme qui était plus enrobée, même il n'y a pas, alors chaque fois j'ai l'impression de parler quand je suis née au 10e siècle, presque. Mais au temps de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, les femmes qui étaient bien lingères, c'était dans la normalité. C'était pas, il n'y avait pas de regard. Et pourtant, il y a 20 ans en arrière. Quoi. Donc, vraiment, l'évolution, et on voit cette évolution, et on va la voir à travers le temps et les décennies qui passent, et qu'en fin de compte, vraiment, c'est se poser la question. À la fin, je pense, c'est cette image corporelle définie par qui, comment, et comment on peut avoir son propre regard sur soi, en fait. Et on ne répondra
pas la question puisqu'elle a dit la fin. Mon Dieu, le bébé. Oh, regarde comme il est beau. J'adore. Donc, du coup, la première question, c'est comment se développe cette image corporelle? Ah oui, parce que ça, c'est important de voir que des fois, quand on parle de l'estime de soi, et si on met en avant que justement cette image corporelle va être une partie de l'estime de soi et tout ce qui va être sur la confiance en soi et tout ça. Et on voit à l'âge adulte la difficulté des personnes, et des personnes avec des problématiques de poids ou pas, qui ont des problèmes et d'image, d'acceptation de leur corps, et qui ont des problèmes aussi au niveau de l'estime de soi. Et on s'aperçoit qu'il y a tout un process qui se fait, comme on a vu sur l'apprentissage avec l'enfant, sur plein de paramètres. On voit que l'image corporelle aussi se rend dans un process à tel âge, à tel âge, à tel âge, et comment l'enfant va construire et développer son image corporelle. Donc, pourquoi c'est important de parler du développement de l'image corporelle? Quand tu veux, tu interviens, Eric. Ah, mais, je connais pas bien la manière d'interagir dans ce type de... Mais oui, très bien, avec plaisir. Non, il n'y a pas de manière. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que dès l'enfance, hein, on va commencer à façonner ce que doit être un garçon, une fille. Alors, il y a énormément de travaux hein, sur ces questions-là, sur les questions de genre, hein, où finalement, ce que doit être un garçon, ben, dans l'interaction, on va interagir de manière très différente avec un garçon et une fille. On voit aussi pas mal de travaux autour des jouets qui sont attribués aux garçons, aux filles, même dans les manuels scolaires, hein, comment on représente la fille et le garçon. Et donc, on voit indirecte comment finalement on façonne ce que doit être un garçon, une fille, quoi. Et finalement, c'est assez binaire. Ça renvoie directement à une approche plutôt biologique. Et en fait, ça ne reflète pas du tout la réalité. Parce que là, on va voir, la réalité, elle est plurielle. Et souvent, ben, y a cette tension. Si je ne me retrouve pas dans ce schéma qui est proposé, là, ça peut devenir très compliqué, quoi. Donc, tout ça pour dire que ben, voilà, dès l'enfance, on est façonné. Par les interactions, l'environnement, et comme ça on devient un garçon, une fille, avec évidemment peut-être, on va le voir à l'adolescence, des certains troubles qui font que bah, on s'y retrouve pas forcément. Et c'est ça, c'est que ce façonnage il est dès l'enfance, dès bébé en fait, dès que la personne vit en soi. Et que le souci, c'est que l'enfant va rester dans cette, on va dire, dans ce façonnage jusqu'à un certain temps, et quand la personne va se sentir de plus en plus libre de ses pensées et d'être, en fait, c'est là où ça va être déterminant, et notamment, du coup, pendant l'adolescence, où c'est là la période, en fait, qui est déterminante pour l'image de soi, pour la compréhension de qui on est et de ce qu'on veut être. Après, c'est dans cette période que c'est déterminant, ce qui ne veut pas dire que c'est immuable, quoi. Mais parce que les personnes, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas aussi à le dire, parce que justement, le façonnage est toujours à côté d'eux. Donc, si c'est l'entourage, si c'est la société qui le veut, si, voilà. Il y a quand même pas mal de... Mais après, moi, je trouve que c'est super important de noter que l'autre jour, je regardais une émission. Alors, c'est pas 90 minutes d'enquête. Ah, bon, elle les a quand même citées. Hein, je regardais une émission et en fait, justement, on parlait... Alors, on parle de mettre un enfant dans une case, un garçon, une fille. Et en fait, il y avait un jeune qui parlait. Alors, j'ai pris l'émission. Alors, je ne dirais pas le terme parce que je ne sais pas comment on appelle ces personnes-là. Mais en fait, il n'était ni dans un corps d'homme et ni dans un corps de femme. Et en fait, il disait, on m'a toujours mis... parce qu'enfin, quand un enfant naît, eh bien, les parents, ils sont juste comme ça à se dire, eh bien, c'est un garçon ou c'est une fille, en fait. Et petit à petit, il voulait pas choisir à l'adolescence, mais justement à la puberté, à l'adolescence, il ne voulait pas dire s'il était homme ou femme, mais par contre, il savait qu'il était dans son identité, en fait. Et des fois, à vouloir mettre des personnes dans une case, eh bien, en fin de compte, ils ont vraiment une grosse difficulté à s'identifier, à être légitime en tant que personne, individu.
Parce que je pense que vraiment, avant d'être un genre, on est un individu. Et justement, le fait que ça soit comme ça, normalisé, c'est à mon avis, tu dois choisir. Et en fait, ça stigmatise encore plus les personnes qui sont pas, qui peuvent pas choisir. Et heureusement qu'il y en a qui maintenant, avec l'évolution et l'évolution, les conceptions, il y en a qui disent, mais moi, je ne choisirai pas parce que je ne veux pas choisir. Je suis ce que je suis, je ne suis pas définie par un genre ou par une sexualité ou des choses comme ça. Donc, on voit bien que aussi les parents sont en difficulté parce que tout ça, c'est dans les représentations et que la construction, quand on parle à l'enfant, adolescent, ces périodes ou de transformation physique à la puberté, quand même, le parent est un guide, en fait. Donc, c'est le parent qui va influencer ça. Et après, ben, des fois, oui, il y a des grosses, il y a des gros clashs parce que, ben, en fait, l'enfant ne se retrouve plus, quoi. Et juste pour compléter sur ce que tu dis, et selon voilà, le sexe de la personne, on a des attentes. Hein, et ça va entraîner certains comportements, certains choix. Hein, j'avais lu quelques travaux, mais alors, ça remonte à loin. Il y a certaines pratiques sportives, par exemple, bah, qui ne sont pas forcément, on va dire, attendues d'une femme. Parce que ben voilà, on l'associe souvent la femme à une personne fragile. Enfin voilà, on l'associe plutôt à cette dimension-là. Je pense notamment avec un travail là qui avait été fait. Alors j'ai plus le nom de la personne qui avait réalisé ce travail-là. Je vous retrouverai. C'était Froidevaux. Voilà. Elle avait travaillé sur cette activité de tir. Non, pardon, de l'escrime. Et il y a certaines, voilà, il y a certaines armes qui ne sont pas autorisées pour les femmes, quoi. Donc, et ça renvoie à ces représentations de ce que doit être une femme, un homme, etc. Donc, elle déployait un petit peu tout ça, quoi. C'est ça. Et puis, comme sur, il y en avait un, justement, il était dans cette difficulté. Il voulait faire du foot à haut niveau, mais il était son prénom, il était homme masculin en fait, et en fait il n'a pas pu accéder au niveau parce que justement son image en fait ne correspondait pas à un genre masculin en fait. Et donc il était, enfin, un jour je l'avais entendu dans le reportage, et en fait il disait mais que rien que ça, pourtant lui c'était juste un footeux et qu'il aimait ça, et en plus de ça on lui disait qu'il avait un bon niveau et qu'il avait ouais. Et en fait, on le stoppait parce que l'image ne correspondait pas, alors qu'il s'appelait, je sais pas, il s'appelait peut-être Benoît. Et en fait, dans la représentation qu'il avait rien que de l'image, il ressemblait plus à Brigitte. Voilà. Et bien, il n'a pas pu accéder à son rêve, mais je trouve que c'est dramatique, en fait. C'est dramatique parce que dans... On ne prend pas la personne, comme tu disais tout à l'heure, on ne prend pas la personne, mais on prend ce qui renvoie. Mais surtout que là, c'était masculin, en fait. Comment tu peux, sur l'accessibilité à un sport au haut niveau, tu nais comme ça, il n'y a qu'une image qui fait que, et ben, tu es dans un truc et tu ne peux pas accéder à ça. Et c'est pour ça, même sur le genre et la sexualité, sur aussi faire dire qu'on est homosexuel dans des pratiques, maintenant ça va mieux, mais on évolue dans tout ça, mais ça mettait des faits et ça brise des rêves en fait. Donc ça brise ton rêve et ça brise plein de choses sur l'estime de toi, sur l'image de toi, sur ton image du corps qui t'interdit de faire. Et ça, ce n'est pas ton image corporelle qui t'interdit de faire. C'est juste parce que c'est des représentations et des freins qui se mettent, mais qui n'ont pas de sens, en fait. Ça relève de ça, oui. Donc, voilà, ça entraîne des comportements, des choix qui sont souvent influencés hein, par, finalement, les représentations, le collectif, quoi. C'est ça. Donc, quelques chiffres, ça se fait plaisir à Annick. Dans les chiffres. Donc, l'insatisfaction corporelle touche 45% des enfants et 49% des adolescents. Elle fait obstacle à l'adoption de saines habitudes de vie. De saineté. C'est tout ça. Moi, je n'ai pas une vie saine. Il y en a qui ont une vie saine. Donc, ouais. C'est équilibré dans tous les sens. Ils ne boivent pas d'alcool, ils mangent des fruits et légumes, ils font... Ils ont une vie qui est quoi, celle. Ouais. Et ensuite, donc, nuit à l'estime de soi et à la réussite scolaire. C'est ça. Et donc, les adolescents ne se développent pas tous de la même façon et de la même manière. Et surtout pas au même rythme.
Mais de toute façon, ça, c'est adolescent. Et quand on parle avec les adultes qu'on accompagne, oui. la temporalité, on a tous des temporalités différentes. Ça ne veut pas dire qu'un qui avance plus vite va plus réussir ou mieux réussir. Ça, on est encore sur les représentations. Ça dépend du contexte, ça dépend de tout. Et ça dépend de l'individu. Ah bah oui. Et chez la majorité des adolescents, il y a un poids normal, tac-tac. Environ 50% des adolescents sont insatisfaits sur leur apparence. Alors ça, c'est des études que j'ai trouvées, mais vraiment plus orientées sur les enfants et les adolescents. Et on voit bien que ça conforte le fait que comme il y a une insatisfaction déjà jeune et à l'adolescence, eh bien, automatiquement, à l'âge adulte, il va y avoir des répercussions qui vont être énormes. Donc, certains enfants se disent insatisfaits de leur apparence, même à l'âge de 6 ans. 40 à 50% des filles âgées de 6 à 12 ans désirent être plus minces. La majorité des adolescents, 71%, déclarent faire quelque chose concernant leur poids. 34% tentent de le contrôler, 25% essaient de le perdre, 12% tentent de gagner en muscle. Les filles cherchent surtout à peine à perdre ou à maintenir le poids et les garçons à gagner du muscle. Moins de 5% des femmes ont les silhouettes de mannequins telles que présentées dans les magazines. Et ça, tout ça, vous vous rendez compte que c'est à la, de 6 ans, déjà à 6 ans, à 12 ans, la représentation qu'ils ont de leur corps et déjà tout ce qui s'inflige et tout ce qu'ils veulent avoir, en fait, parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dans le dans la norme. Cadre, en fait. Eric est dubitatif. Sur quelque chose à rajouter ? Oui, mais non, pas, non, je n'ai pas trop de, d'idées là sur... Sur les adolescents, juste dire voilà, effectivement que c'est en lien avec notre époque, d'une époque à une autre. Voilà, il y a des manières de prendre des repères et on va le voir. Il y a certains repères qui sont assez, on va dire, présents au quotidien et qui font que, ben, voilà, encore une fois, ça oriente les choix et ça influence ce rapport au corps. Mais sur les adolescents, voilà, j'ai pas trop lu sur le sujet. Mais c'est surtout de faire voir que, tu vois, sur la problématique de l'estime de soi, de l'apparence, des choses comme ça, tout bien j'imagine bien. Que tu retrouves des personnes qui sont à l'âge adulte et qui sont, parce qu'il y a eu cette problématique-là. Alors, imagine-toi maintenant sur des études et des chiffres comme ça, mais ça va être à l'âge adulte encore plus compliqué parce que ça arrive beaucoup plus tôt. Parce que les enfants qui sont là de 6 à 12 ans, moi, quand j'avais 6 ans, quand on regarde le modèle et l'inspiration que tu as, c'est dans ton entourage familial. Mm-hmm. Moi, sur le modèle et l'inspiration que j'ai, c'était une grand-mère, c'était une arrière-grand-mère qui était bien importante. Et pour moi, c'était beau et c'était bien, en fait. Maintenant, dans cette inspiration-là, ces enfants, ils sont encore plus dans un renvoi, une inspiration où on est toujours en train de dire… Mais trop, fais attention à ton image, ton corps, ta silhouette, faire du muscle pour les hommes. Mais à l'âge adulte, ça va être encore pire. Et juste pour ajouter qu'effectivement, à cette période-là, on est assez vulnérable. Et on va voir que c'est du petit âge jusqu'à l'adolescence, où effectivement, il y a des, comment dire, il y a des effets de l'environnement qui font que voilà, on est plus sensible à ces âges-là. Après, avec le temps, on a un peu plus de recul, on peut mettre un peu plus de distance sur certains repères qui pourraient influencer, encore une fois, notre rapport au corps, notre rapport au quotidien, etc. Mais c'est ça qui est compliqué, parce que cette influence, le problème, c'est que l'enfant est un enfant, en fait. Et qu'après, quand il devient de moins en moins influent parce que, justement, changement d'environnement ou ce genre de choses, ben, le problème c'est qu'après pour se construire et se reconstruire, il va garder certaines choses, d'autres il va réfléchir dessus, et en fait justement après je pense que la personne est plus perdue qu'autre chose, parce que ne sait plus si c'est ce qu'on lui a influencé ou si c'est vraiment ce qu'elle est, et justement s'il n'y a pas un travail là-dessus après, c'est compliqué pour la personne de faire ça seule, en fait. C'est pour ça qu'il faut être vraiment vigilant sur... Et il y a Cathy qui dit que c'est grave à 6 ans. Oui. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est grave, mais c'est prendre conscience déjà que c'est grave. Et quand on regarde les études et les chiffres d'il y a quelques années en arrière, c'est un peu comme la prévalence de l'obésité. Hein.
ou comme la prévalence des maladies chroniques. Le problème, c'est que c'est grave et qu'on en prend conscience là maintenant, mais les chiffres avant étaient moins impactants et plus ça va aller avec tout ce qu'on va essayer de développer, tous les paramètres. Si ce n'est pas une prise de conscience individuelle dans du collectif, ben je pense que ça va être encore plus dramatique. Et pourtant, on va passer une bonne soirée. Ah, comme elle est belle, c'est moi. D'accord. Oui. Qui a dessiné? Qui a dessiné? Non. C'est un artiste que j'ai croisé au port de San Francisco. C'était une pensée pour le, c'est l'étude que tu as fait sur les tatouages et les représentations. Ah oui. Voilà, tu vois, c'était un petit clin d'œil. Il va dire que c'est toujours pas lui. Je te l'enverrai, Eric. Je te jure, je te l'enverrai. Ça marche. Il n'en est pas personne. Il s'appelle Thomas. Non. C'est Thomas ton deuxième prénom, non, je pense. Non, il ne le sait pas non plus. Je suis sûre que ce soir, tu vas apprendre plein de choses. Donc, comme on disait, il y a des facteurs influents. Donc, comme les expériences vécues, la pression sociale, l'influence des pairs, l'environnement socio-culturel, l'intimidation, l'intolérance et la stigmatisation. Donc là, on utilise quand même pas mal de termes. Je pense qu'on va les développer. Ben, nous pouvons. Nous pouvons. Et oui, l'expérience vécue, mais c'est ce qu'on disait. Voilà, sur l'entourage familial, et ben, c'est l'image qu'a l'enfant et qui se construit avec ces repères-là, avec les croyances, avec plein de choses qui vont influencer la suite, en fait. Et même, on le voit au niveau culturel, on voit vraiment sur les personnes, quand tu parlais que tu avais fait sur la chirurgie bariatrique, culturellement, dans certaines cultures, le corps et l'image du corps, c'est une femme voilà, qui est bien portante, qui est bien en chair. Et des personnes qui veulent avoir, moi j'ai eu discuté avec des personnes qui veulent avoir une chirurgie bariatrique parce qu'elles ont peur pour leur santé, parce qu'elles ne se sentent pas bien dans leur corps, mais la famille, même l'entourage proche, ne comprend pas. Et il y a des personnes, parce que justement cette image du corps qui fait qu'être bien portant, c'est être signe de bonne santé, et bien il y a des personnes qui font la démarche seule, qui vont se faire opérer et qui disent qu'elles sont opérées d'une vésicule, mettons, et qui ne le disent pas. Parce que le fait de perdre du poids, après, si elles vont voir leurs parents et que ben, tu as maigri, tu es malade, allez, vas-y, mange, 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 parce que c'est vraiment des craintes, en fait. Donc, on voit bien que cette image, elle va au-delà d'une apparence physique et que des fois, l'image corporelle qui change et qui est bien sur une culture va influencer une mauvaise santé ou le contraire, et même va influencer sur l'estime qu'on a de soi. Mais ça, cette expérience vécue, on ne peut pas l'enlever et c'est surtout très, très compliqué à détricoter parce que derrière, tu as de la culpabilité. Moi, quand je parlais avec ces femmes, elles me disaient, mais voilà, je sais que mes parents seraient trop tristes, je ne peux pas partager ça avec eux. Et en fait, ils faisaient un parcours de chirurgie toute seule. Mais c'est surtout qu'en plus, des fois, j'ai l'impression qu'il ne respire plus. Si, il bouge. Ça me fait un peu peur. Et oui, parce que alors, vous ne voyez pas M. Pereira, du coup. Mais parce que quand il ne parle pas, on ne le voit pas. Mais je vous assure, des fois, il bloque. Non, mais ça va aller. C'est que tu respires, Eric. Non. Donc, c'est ce que disait Annick, c'est que je ne sais même plus ma phrase, du coup, avec mes conneries. C'est que. Oui, ben, ces expériences vécues, ben, c'est vraiment interne à la personne. Et en plus de ça, ce sont des personnes qui, comme tu dis, ils vont seuls dans un endroit. Et le problème, c'est qu'après, il y a le retour à la maison aussi. Et ce retour à la maison ben, peut être bien, bien compliqué parce que justement, il y a la non-compréhension aussi, surtout s'ils ne disent pas à la famille ou ce genre de choses. Ça veut dire qu'ils sont vraiment seuls face à ce qui se passe et à tricoter dans leur coin et auprès de l'entourage pour éviter qu'ils sachent quoi que ce soit. Et en plus, re-inquiétude, si les parents ont une même prise en plus sur la personne, ben, ça veut dire qu'ils vont vraiment tanner la personne. Et ça aussi, si la personne n'est pas suivie derrière et n'a pas de l'aide
autre que l'entourage, eh bien, la personne mais, mais c'est surtout que c'est important parce qu'il y a un fardeau, une culpabilité que ces gens portent. Parce que justement, c'est de dire que quand on parle justement de l'entourage sociétal, environnemental et tout ça, quand dans une famille, l'image du corps est comme ça, se dire que quelque part, mon corps ne me correspond pas, eh bien, d'arriver à dire ça, parce que l'image corporelle, c'est ça, alors que la mère, elle est bien comme ça, eh bien, il y a une culpabilité, ou même, il y en a qui parlaient de trahison en disant, mais voilà, on dirait que je renie ce que mes parents. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste la, enfin, l'image corporelle sur le vécu, en fait. C'est ça. Juste pour rebondir, cette idée d'expérience, là, moi, elle me fait beaucoup penser en sociologie à l'idée de, du fait qu'on traverse des univers socialisateurs. Donc, voilà, on traverse comme ça des univers dans lesquels, finalement, on apprend des choses, voilà, on développe des stratégies, etc. Alors, il y a la famille, il y a l'école. Plus tard, après, voilà, on s'implique dans différents, dans d'autres univers qui font qu'au fur et à mesure, voilà, on développe, alors, en sociologie, on appelle ça des dispositions, qui nous permettent ensuite d'adapter, de transférer des manières de penser, d'agir à chaque fois. Et donc, voilà, c'est ces univers-là qui forment comme ça une identité. Ces expériences-là, vécues, hein, qui font que, ben, au fur et à mesure, on construit une singularité, une identité. Bon. Après, voilà, on s'adapte ou pas, on arrive, il y a des univers dans lesquels, ben, voilà, on arrive à trouver du sens et dans lequel on s'implique, d'autres univers où c'est un peu plus compliqué, délicat. Et à ce moment-là, on va peut-être s'investir que dans certains et moins dans d'autres. En tout cas, il y a Chip qui est d'accord avec toi, sache-le. Il fait bien entendre, garçon. Il a raison. Oui, il a raison. Donc, il y a Kanji qui dit « Bonjour, je prends en cours. La prise de conscience devrait être plus médiatisée, car malheureusement, nous ne sommes pas assez en... nous ne sommes pas encore assez à en prendre conscience. » Oui, mais déjà, alors moi je dis l'essentiel. C'est que déjà, vous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je sais où je vais. Déjà, vous, la prise de conscience, si on attend que la prise de conscience, elle est collective, elle soit collective, ouais, eh bien, on n'est pas rendu. Par contre, déjà, vous, pour vous-même, pour votre santé, pour tout ce que vous voulez, votre bien-être, votre estime de vous, enfin, tout ce qui va et ce qui vous correspond, mais déjà, une prise de conscience pour vous-même qui va vous faire dire que vous voulez que votre corps soit ça ou ça, pas correspondre à une norme, parce qu'en fin de compte, la prise de conscience que les personnes n'ont pas, eh bien, ça entraîne pour moi, juste, on est quelqu'un dans un endroit, et puis en plus, après, vous imaginez bien que si jamais la norme vient comme ceux des personnes qui habitent aux États-Unis, ou si tu rentres dans un magasin et que tu veux une taille 34, ça ne va pas aller. Et c'est ce que je disais aux personnes qui allaient être opérées. Si vous pourrez, après un poids normal, une normalité, à un moment donné, quand on sera tous avec « il faut acheter des falzards » en 70, et bien vous allez reprendre du poids alors que vous avez une chirurgie bariatrique. Donc vraiment, je pense qu'avant d'essayer que les mentalités changent, je pense que déjà, nous, interpellons-nous et posons-nous les questions. Voilà, ça c'est notre slogan. Voilà, mais je vous assure, je crois que je vais créer un produit pour Annick pour y faire juste faire des pubs en fait. Mais je vous assure, parce que depuis ce matin, elle n'arrête pas. Je la vois tellement avec je sais pas quoi dans ses mains et faire des petites phrases comme ça. Mais surtout qu'après, ça, je pense que ça, et moi je parle pour moi là, hein. Alors je porte pas de jugement sur personne, mais quand je réfléchis sur moi, sur ma vie et sur le cheminement que j'ai eu, je me dis en fin de compte. Tout ça à me dire, mais il faut que les autres changent, il faut que la société, il faut que le regard change, ça m'a juste donné des alibis pour juste être victime de tout et pas être responsable de rien, en fait. Voilà. Donc, après, je pense que la conscience collective, c'est une chose. Je crois qu'il va dire quelque chose. Et par contre, la conscience individuelle nous permet de nous épanouir en tant que... Non, mais vas-y, finis ta phrase. Il y a juste Andy qui dit, qu'est-ce que la normalité à vrai dire ? Tout à fait d'accord. Moi, je parle d'autonormativité. Voilà, c'est créer votre propre norme. Vous êtes en accord, mais l'accord, ce n'est pas la perfection, hein, ce n'est pas l'idéal. C'est être le plus en accord avec ce que vous êtes, avec votre corps, avec votre vie, avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas.
Et c'est toujours être un peu, mais c'est vous qui construisez votre normalité en fait. Parce que sinon, on sera toujours avec un manquement, ça on n'a pas droit, ça on ne peut pas. Après, il y a des choses qu'on est obligé de faire parce qu'il y a une légalité, parce qu'il y a des choses qui sont... Mais après, sur le reste, à partir du moment que c'est vous, avec votre propre épanouissement dans votre image corporelle et dans votre place et dans vos représentations et dans ce que vous voulez faire, ce n'est pas parce que l'expérience vécue et réfléchir, ça me vient de compte, si je veux autre chose que ce qu'on m'a transmis, eh bien, maintenant, moi, je me dis, en étant quelques notes différemment, je n'ai pas trahi tout ce que mes grands-parents m'ont amené, en fait. Mais ça, c'est en prendre conscience, parce que c'est juste dans notre tête où on se dit non, on s'interdit d'eux parce que c'est comme ça, parce que, et qu'est-ce qu'ils vont penser ? On est juste avec des mots et faire des choix, et tes choix de vie, ils te sont propres, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il ne faut pas faire changer essayer de vouloir faire changer la conscience collective. Et après, tu rattaches à ta cause celui qui veut te suivre ou celle qui veut te suivre. Et puis après, tu ne seras jamais tout seul. Là, pour moi, tu abordes déjà un petit peu les points suivants, pression sociale, l'influence des pairs, etc. Pour moi, ça renvoie, et cette conscience collective, on peut rester sur cette diapo, ça renvoie finalement à cette pression des normes dominantes et les valeurs qui traversent notre société contemporaine, qu'elles soient américaines, françaises, européennes, les sociétés occidentales, les valeurs sont de deux niveaux, c'est concurrence et performance. Voilà ce qui traverse les valeurs de nos sociétés, et c'est ce qui conditionne ces valeurs-là, la réussite sociale. On associe ces valeurs à la réussite sociale. Évidemment, si on n'est pas dans ces normes-là, ça produit différents effets. Et là, il y a deux types de travaux en sociologie. Il y a un travail qui s'intéresse aux effets négatifs. Évidemment, face à cette pression, on a des effets de dépression, suicide, etc. Donc, il y a toute une littérature sur le sujet. Et de l'autre, il y a une littérature plus positive qui s'intéresse à comment, finalement, l'individu s'adapte à ses valeurs, à ses normes, pour essayer, finalement, dans cette société hyper individuelle, de trouver une place, de trouver du sens à son existence. Donc, voilà, il y a ces deux types de travaux, mais qui sont liés à ces valeurs dominantes qui vont parler de conscience collective, c'est systématiquement performance et concurrence, quoi. On doit tout le temps être performant, etc. Alors, il y a un travail, j'ai plus l'auteur, c'est la fatigue d'être soi, c'est Rimberg. Voilà, il est intéressant parce que au final, tout le temps être dans la performance, etc., à un moment donné, ça devient assez épuisant. Ça oblige systématiquement à se reconstruire identitairement à chaque fois, se remettre en question, aller dans les librairies, etc. Vous allez voir tous les bouquins qu'il y a sur le coaching. Il y a de plus en plus d'ouvrages dans ce sens pour aider les gens finalement à trouver leur voie, etc. Parce qu'on est dans une société où il faut systématiquement performer. Et on va voir, c'est ce qui va produire derrière des discriminations. Si vous n'êtes pas performant, vous restez sur le bord de la route, quoi. Et on va voir justement comment ces valeurs produisent certaines discriminations. Ouais. Oui, et puis certaines discriminations. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Ah bon, je... Non, mais des discriminations, mais en plus de ça, franchement, c'est bien se rendre compte de... On parle beaucoup de discrimination, alors on parle grossophobie, on a parlé de discrimination sur le handicap et tout ça, mais la problématique, c'est qu'en fait, ce regard et cette place que tu as, mais c'est vraiment, ça va plus profond. La discrimination, ça saccage, en fait. Ça peut dévaster des personnes sur tous ces facteurs externes qui arrivent et qui font justement des pressions, mais les personnes ne se sentent pas même légitimes à vivre. À être et à vivre. Et à vivre. Et moi, j'ai connu, et c'est pour ça aussi que
je me disais, je tiens cette association, elle me tient à cœur pour plusieurs raisons, parce que ça fait 11 ans que je me bats, parce que c'est vraiment ce qui me tient à cœur et ma cause, et pendant, malheureusement, c'est 10 ans, en 10 ans, il y a 3 personnes qui nous ont quittés parce qu'elles étaient obèses, en fait. Et le drame, je trouve que c'est vraiment un drame dans les années 2000, entre 2015 et 2020, qu'on puisse mourir en France parce que juste tu es obèse et pas de maladie, parce que juste tu n'as pas l'accessibilité à une chirurgie bariatrique dont tu dis, écoute, si je n'ai pas ça, je ne peux plus vivre. Donc, voilà, je pars en fait. Parce que le regard des autres est tellement haineux, tellement discriminant. Et tu ne peux pas, tu peux pas accepter ça. En fait, c'est pour ça qu'après, quand on parle de, c'est Camille, je crois, qui disait, même sur la prise de conscience individuelle, moi, j'ai ma prise de conscience pour moi, mais aussi mon travail dans mon investissement dans cette association, dans cette cause-là, parce que ces 3 personnes, elles ne me quitteront jamais. Et je me dis, plus jamais ça, en fait. Et même si je mets une petite pierre et qu'il y en a un autre qui met, mais ce n'est pas possible et ce n'est pas acceptable. Comme quand on dit à 6 ans, c'est pas possible de dire que l'apparence ne peut pas me convenir, quoi. Il y a des choses qui sont inadmissibles. Alors, il y a plein d'autres choses qui sont inadmissibles. Après, chacun a son cheval de bataille et chacun a... Mais c'est pour dire que justement, cette image corporelle, tous ces facteurs externes mettent tellement une pression que ça pousse des personnes à être saccagées et puis même tout laisser tomber, en fait. De toute façon, quand on parle de perte d'identité aussi, c'est qu'on ne donne pas l'opportunité à ces gens d'être reconnus comme ils sont, en fait, et d'exister, c'est ça. Et c'est, enfin, moi, je pense que, du coup, dans la tête de ces personnes, si je suis jugée comme ça et qu'on ne me voit pas, autant qu'on ne me voit plus du tout, en fait. C'est ça qui est malheureux. Et puis, on te refuse. Oui. Il y en a une, parce qu'à un moment donné, elle était dans un parcours de chirurgie. On lui dit, mais vous ne pouvez pas prétendre à une chirurgie parce qu'il y avait des choses qui étaient compliquées. Mais pour elle, la représentation qu'elle avait de la chirurgie, c'est je vais perdre du poids, donc j'aurai une image qui ira mieux, donc je pourrai trouver un travail, je trouverai un copain, je ferai... Mais là, en fait, on me refuse ça, donc je ne peux plus vivre, en fait. Mais c'est quand même c'est dramatique, quoi. Oui. C'est dramatique parce que là, l'environnement familial, il était aidant, il a essayé de faire tout ce qu'il a pu, sauf que ces facteurs externes qui mettent le couperet là et qui disent « tof, non », et ça anéantit des vies, en fait. Comme quoi, en fait, l'influence des personnes, l'importance de l'environnement est présente, en fait, dans tout ce qu'on est et dans tout ce qu'on veut être aussi. Et il a une place prépondérante. Alors, après, il y en a qui disent, oui, mais il ne faut pas la laisser, mais on vit comme ça parce qu'on est comme ça aussi. On nous habitue à faire... on ne nous habitue pas forcément à faire face, justement, à cet environnement. On nous dit juste, c'est comme ça, c'est comme ça, en fait. Mais c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que... Attends, tu veux lire le... Vas-y. Ouais. Donc, il y a Candy qui dit, justement, je conseille le piège du bonheur du docteur Russ Harris, si cela peut aider quelqu'un à apprendre à composer avec ses émotions douloureuses. Et elle rajoute, je suis dans ce cas, et il est vrai que le regard des autres est difficile, les mots, les injustices diverses et variées, c'est vrai, c'est dramatique. Oui, mais de toute façon, le jugement de l'autre, et c'est là où il faut vous faire accompagner, c'est comme je disais qu'il faut vous faire aider, parce qu'en fait, il y a toujours, et quand on parle sur l'intimidation, mais ça va jusqu'à dans les écoles. Ah oui. Le fait que justement tu n'es pas la bonne image, ton poids, tu es stigmatisé, tu as des qualificatifs qui te viennent, et on l'a vu sur ton mémoire, tu es le gros. Et même si l'enfant avait perdu du poids, il arrivait à l'école et on disait, c'est le gros qui revient. Mais vous vous rendez compte? Et après, c'est pas juste comme ça, c'est qu'il faut réfléchir. Et les prises de conscience qu'il faut avoir pour arriver à détricoter ça. Et c'est pour ça que je pense que la recherche et justement à arriver à trouver comment modifier avec des prises de conscience collectives, avec des prises de conscience individuelles, à modifier ses attitudes, ses comportements. Et je pense que vraiment, il y a des choses très, très importantes à faire
à donner. Parce que nous aussi, en tant que patients, alors des fois, on dit, ouais, mais le milieu médical, il a besoin de preuves et les chercheurs, ils ont besoin de chercher et il faut attendre les résultats attendus. Mais nous aussi, il faut qu'on arrive à voir que si on teste ça, qu'on prenne conscience et qu'on se mobilise sur comment oui. chacun, un peu, avec des témoignages, avec des choses, c'est là où, on peut tout où, savoir, où l'expérience on a tout de savoir, chacun là. Peut permettre de dire, eh bien voilà, moi j'ai fait ça, 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 et puis ça donne matière à réfléchir comment l'environnement peut être modifié. Parce que si on reste sans rien faire, j'aurais de dire, ben, on va faire quoi ? Parce que la société, elle ne changera pas. Les réseaux sociaux vont être encore plus… ça va être une catastrophe. Donc, les émissions, les choses comme ça, on n'a pas de solution. Donc, je pense que cette prise de conscience de chacun est indispensable, en fait. Et chacun qui mettra sa petite pierre à tout ça, ça ne sera pas… sans fond, en fait, et ça servira toujours à quelque chose, en fait. Peut-être pas pour nos générations, ouais. mais pour les futurs. Il y a Cathy qui dit « Le jugement est inévitable » et Candy qui rajoute « Je l'ai vécu petite à l'école ». C'est dévastateur pour nous, effectivement. Mais le jugement est inévitable. Oui. Par contre, ce qui peut être évitable, c'est que tu le subisses, en fait. Voilà. Moi, quand on me regarde et qu'on me dit « Tu t'es fait opérer des bras, tu t'es pas fait opérer des bras », tu as perdu 200 kilos, mais tu pourras aller jusqu'au bout parce que tu as tes bras qui pannent, c'est disgracieux. Eh bien, j'y écoute aux collègues avec au mois d'août, je ne vais pas mettre un col roulé et des bras longs, en fait, tu vois. Donc, si c'est disgracieux, tu ne me regardes pas. Mais pour ne pas prendre le jugement, il faut être en accord avec ce qu'on est. Et sur son corps, c'est la même. Et après, une fois que tu as ça, eh bien, tu assumes et ton corps, tu le regardes d'une manière différente. Mais mon corps, je le garde parce qu'il représente tout le combat que j'y ai mis, toute l'énergie que j'ai fait pour en arriver là. Et tous les jours, c'est les quand tu as une vieille… Alors, je vais parler de vieille pierre. Je vais dire. Quand tu as l'érosion, le machin, enfin, une pierre qui a été abîmée et on dit, voilà, ben, ça, c'est ce qui s'est passé. Il ne faut jamais oublier que ça s'est passé. Et bien, quand tu regardes une belle plante comme moi, voilà. tu te dis, ça s'est passé, il ne faut pas oublier ça. Par contre, je retiendrai qu'en hiver, en été, tu mets des bras longs. Mais oui. C'est quoi des bras longs ? Des manches longues. Ah, des manches longues. S'il y en a un jour, il m'a dit. Et en plus, le regard sur des personnes qui ont aussi des problèmes de poids, comme je pense la stigmatisation que dit Candy, c'est quand tu es opéré, ben, c'est facile pour toi parce que tu t'es fait opérer, tu n'es pas opéré, mais tu n'es pas courageux, tu devrais te faire opérer, en fait. Donc ça, chacun fait ce qu'il veut. Et puis en plus de ça, ce monsieur, il vient vers moi. Non, mais il me dit quand même, moi, quand j'aurai perdu du poids… Je me fais opérer des bras parce que c'est vraiment pas beau. Hein. C'est disgracieux. Voilà, c'est disgracieux. Eh ben, j'ai dit disgracieux. Ben, excuse-moi, tu vois, il fait 40 degrés. Je n'ai pas foutu un col roulé avec des manches longues. Quoi. Ah, ce coup-ci, c'est passé, mais je l'ai quand même marqué dans le carnet noir. Il ne faut pas déconner. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais voilà. Là, tu abordes le sujet de l'apparence. Et tout à l'heure, si j'ai évoqué les valeurs de concurrence et de performance, on les retrouve dans le rapport au corps. Alors, ce monsieur a une représentation du corps qui est celle de la représentation dominante. Et on verra lesquelles. C'est toujours jeune, beau, etc. C'est ce qui est mis en avant. Et à l'inverse, quand on correspond pas à ces représentations, évidemment, ben voilà, on est plutôt. Alors, tu as dit le terme hein, très rapidement. On est plutôt stigmatisé. On est plutôt voilà identifié avec une caractéristique qui correspond pas forcément aux valeurs dominantes. Et on le vit parfois, ben voilà, on peut le vivre très mal. Mais ça, on va l'approfondir. Je suis d'accord que ça peut être les plans de l'autre qui te stigmatisent peuvent être contrecarrés, n'est-ce pas ? Si toi... Ah oui, tout à fait, on va le voir. Comment on peut déstigmatiser et finalement, on va dire, peut-être éduquer ces consciences collectives. Alors, je dis éduquer, mais voilà, il faut qu'on l'interroge tout ça. Comment on peut finalement changer le regard ? Alors, c'est toutes les on va dire la thématique de l'inclusion, voilà, il y a vraiment tout un pan de recherche en sciences humaines et sociales sur cette thématique-là. Et on verra qui on peut éduquer, comment, je ne veux pas aller trop vite. On appuie là ? Vas-y. Je ne sais pas ce que c'était comme accent. Tu le prends. Je crois qu'on peut aller trop vite. Ah oui, ça c'est ce que je disais. L'évolution du corps des femmes à travers les siècles.
Mais c'est ça, mais c'était très important quand vous regardez. Alors, il y avait tout un. Je change de. Il y avait tout. Pourquoi tu rigoles? Mais parce qu'en fait, il n'y a que nous qu'on ne la voyait pas, la madame. Tout le monde la voit. Annick a un problème avec la caméra, vous le savez, cher public. Elle se fout toujours de moi. Je ne me fous pas d'elle. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle était perturbée. Elle m'a regardée comme ça. Elle a de dire, qu'est-ce que tu fais? J'étais en train juste de chercher le diaporama. Donc, on a enlevé Eric 3 secondes et demie de l'image. Elle m'a regardée comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, et à chaque fois, elle me fait pareil, il faut savoir. Mon image me canalise dans ce que je veux dire. Et c'est pour ça qu'en fait, je n'avais pas fait la recherche avant, parce que madame parlait et elle se regarde en parlant. Elle se regarde, sachez-le. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, non, mais ne la dérange pas. Mais là, même quand c'était Eric qui parlait, alors là, elle m'a regardé l'air de dire, arrête, tu vois, mais c'est quand même terrible. Non, mais c'est pas grave. Donc, voilà. C'est mes repères, tu vois. C'est sûr, mais bon, à un moment donné. Et là, je ne voyais pas la dame parce que vous étiez, on était devant voilà. La dame qui était sur le côté droit. Sauf que vous, quand vous êtes à l'écran, vous voyez la dame. Mais vu qu'elle ne la voit pas, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne ici. C'est le bordel. Voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas rien d'autre. Donc, vas-y. Voilà. Vas-y, je ne peux plus parler. Ah, elle ne peut plus parler. Elle pleure en plus, vous vous rendez compte? Ah bah oui, elle est rouge parce qu'elle sort en côte. À quel point on en est quand même? Mais bon. Après, ces quatre, on fera vraiment un balance ton live, mais que sur Annick Cotiro. Je vous garantis que là, il y en a pour un petit moment. On n'est pas couché. Donc, on disait... Allez, on va y aller. On n'est pas couché. Croyez-moi. Donc, on repart. L'évolution du corps des femmes à travers les siècles. Est-ce que tu as des choses par rapport à ça? J'en peux plus. À un moment donné, je crois qu'on va mettre un rideau. Je sais, comme ça, je ne te verrai plus. Donc, la minceur n'a pas toujours été valorisée comme elle l'est aujourd'hui et qu'il était une période... Oula, qu'il était une période où il était noble d'avoir de l'embonpoint et que les rondeurs étaient signes de richesse. C'est la dame sur le côté. Voilà, elle était bien en chair, à forte poitrine et très, très, très jolie. Voilà. Et elle n'était pas regardée, cette dame. Non, mais ça, ce n'était pas des blagues. Elle n'était pas regardée parce qu'elle correspondait à son époque. Et en plus de ça, ça, à cette époque-là, alors tu m'arrêtes si je dis des bêtises, il me fait peur des fois. Non, c'est trop bon. Je le regarde. En fait, ça correspondait aussi, et c'est ce que tu disais un petit peu, ça correspondait déjà à cette époque-là, le fait que tu sois bourgeois, que tu sois ça, que tu sois ça. Donc, ça te donnait aussi ta place dans la société, en fait. Alors, oui, absolument, c'est-à-dire que sur le plan historique, je n'ai pas étudié les évolutions du rapport au corps, mais voilà, il est évident que d'une époque à une autre, le rapport au corps n'est pas tout à fait le même. Et on va voir, à notre époque, il est construit complètement d'une autre manière, quoi. Parce qu'on prend d'autres repères, c'est pas les mêmes repères. Tu parlais de richesse, tu parlais d'un bon point. Évidemment, ça renvoie à quelqu'un, finalement, qui a les moyens de manger à sa faim, etc. Ouais. Qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures. Ce qui est beau, finalement, c'est quelqu'un de plutôt rond, etc., qui mange bien, donc, qui renvoie un autre rapport, qui est celui, finalement, de sa richesse, quoi. Voilà. Des moyens qu'il a pour... Mais on va voir, hein, ça évolue tout ça. et c'est pour ça qu'après, quand on parlait même du bébé Renouillard, qui était un bébé, qu'on disait qu'il est beau, il est en bonne santé. Et bien, en fin de compte, tout ça, maintenant, justement, quand tu parles des personnes qui étaient avant, qui étaient bien en chair et qu'elles avaient des moyens financiers, et maintenant, on voit justement que les personnes qui sont le plus en problématique de poids et d'obésité sont les personnes les plus en précarité, en fait. Oui, il y a ce. Non, mais je te suis, il y a ces études-là, mais après, c'est une question économique, on le verra aussi avec les régimes, etc., le choix dans l'alimentation, etc.
Mais ça ne touche pas uniquement que les classes sociales basses, hein, ça touche aussi d'autres secteurs, tertiaires, rester derrière le bureau, être un peu inactif. Donc il y a tout un tas de travaux autour de ça. Ouais. Ouais, ouais. Et en plus, c'est toujours dans les opposés aussi, quand on regarde. C'est toujours dans les opposés, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore sur cette. Justement, qui sont toujours avec ce signe de richesse, donc le fait de beaucoup manger, de tout ça, parce qu'il y a la possibilité d'acheter, en fait. Et en contrario, il y a ceux justement qui ne peuvent pas acheter en quantité et qui du coup ne peuvent pas acheter non plus en qualité et qui mangent en fait d'une certaine manière juste pour se nourrir, et, mais pas forcément équilibré. Ce qui fait qu'en fait, quand on met les deux personnes à côté, mais pour des raisons différentes, ils arrivent à la même problématique en fait. Pour rire son communicatif. Oui, merci. Merci, Candy, parce que j'ai eu un moment de... Je ne pouvais plus, je suis vraiment désolée. Bonsoir, Laurence. Et par contre, Cathy qui dit oui, il y a du boulot pour éduquer certaines personnes. Mais c'est la ténacité qu'il faut. Moi, je pense que c'est la ténacité, la persévérance. Donc, en fait, là, c'est faire voir aussi dans les époques, justement, qu'il y a toujours eu des modes. Et c'est là que, justement, on va arriver sur l'impact de la mode, de la société, sur... l'image corporelle. Alors, tout ce qui influence l'image de notre corps. Juste avant, dans la diapo, tu as oublié une phrase que je trouvais intéressante. Pardon. C'est Laure qui lit les phrases, excuse-moi. Voilà. Je me regarde, elle lit les phrases. Sur le fait que les femmes rondes mettent des vêtements, etc., parce que là, on revient un peu à notre époque, on revient un peu à ce qui se passe, c'est un peu... Moi, je dirais que le corps, il se montre aujourd'hui. Il y a une libération du corps dans le temps. Les années 60, etc., il y a une vraie... le corps devient le véhicule du plaisir, on le montre, etc. Mais attention, on ne le montre pas n'importe comment. On revient sur ces normes, hein, sur ces attendus. Et là, il y a tout le travail que je trouvais intéressant de Kaufmann. Alors, je vais citer ces deux bouquins, « Sociologie des seins nus » et la guerre des fesses. Là, il montre évidemment, j'aime bien moi, sociologie des seins nus, le titre est bien trouvé. En fait, il a fait un travail sur les plages, et il montre que les femmes ne montrent pas leurs seins n'importe comment, c'est-à-dire que ce sont celles qui ont des seins qui correspondent au canon qui vont plutôt les montrer. Donc il explique un petit peu tout ça, toutes ces influences là qui font que ben on se dénude, on montre le corps, mais que s'il correspond à des canons, à des normes, voilà. Donc en fait il est caché, mais en fait il est montré que quand voilà il correspond aux attentes dominantes, quoi. Bon, voilà ce que dit un petit peu les travaux de Kaufmann. Eh oui, mais et en plus je ne sais plus à quelle époque il était, ce monsieur qui l'écrit, mais on voit bien sur la chirurgie esthétique, sur justement, on le montre, et quand on ne peut pas avoir ben justement et faire des choses avec le corps et répondre à ses critères, eh ben, on va le modifier en fait. Et c'est ça on va le transformer et en faire quelque chose pour entrer dans quelque chose qui répond aux critères, et que comme ça, on pourra montrer et faire voir que. Ben, la réussite, on a fait tout ça, en fait. Et en fait, il y a une vraie libération du corps depuis les années 60, etc. Il y a une vraie liberté hein, dans ce rapport au corps. Mais en fait, il est contraint. Hein, il est finalement mis sous contrainte. Il faut le façonner, il faut voilà rationaliser, etc. Alors ça peut être effectivement très technique via la chirurgie. Ce genre de choses, et ça peut être également à partir d'un effort au quotidien pour façonner son corps. Mais en fait, il y a une libération, une liberté, mais en fait, elle est conditionnée par tout un tas de contraintes, finalement. Mais tu vois, même sur quand on revient à ce qu'on disait sur l'enfant et l'adolescence, c'est vraiment même faire du muscle et avoir un corps musclé pour un homme. Eh bien, ça répond à ces critères. Et je ne sais pas, alors ça, c'est un petit pour Véronique, notre Véro. Ah. Je ne sais pas si tu as vu cette pub de Renova. Ah, il ne faut pas les citer, c'est trop tard. Non, on s'en fout, on n'est pas coupé. Oui. Mais sur du papier, alors je te garantis que ça. On la trouve, mais tu vois, mais c'est vraiment mis en scène. Attends, est-ce qu'on peut faire le. Tu veux vraiment partager ça? Oui, oui, oui. Mais
Ah, mais on ne sera pas coupé. Attends, je vais te l'envoyer en texto voilà. parce qu'on ne pourra pas. On ne va pas abuser. En fait, c'est vraiment le cliché de ce que tu... Et moi, je voyais ça. C'est une personne qui venait à l'association et qui m'a dit, mais tu n'as pas vu cette publicité. C'est à... Il y a plein de panneaux dans les... Dans la ville. Dans la ville. Mais en fait, je trouve mais que c'est... Alors maintenant, c'est stigmatisant, mais pour les hommes, en fait. C'est un truc... Mais c'est un coulé, un goulot, hein, de toute façon. Oui, non, mais avant, avant, on s'en prenait, mais on arrive dans des trucs où c'est du grand n'importe quoi, cette communication, cette publicité sur... Moi, c'est toujours le corps parfait, en fait, la représentation du corps parfait, soi-disant parfait. Et quand tu vois ça, tu te dis, mais où ça va s'arrêter, quoi. Enfin, franchement, ça n'a aucun rapport et on pousse encore plus loin. Parce qu'au début, c'est juste ben, l'enfant, il veut des muscles et la femme, elle veut arriver à avoir un corps qu'elle peut montrer. Maintenant, on arrive dans des choses et des séquences mais qui vont au-delà du compréhensible, en fait. Tu vas voir ce que je t'envoie. Regarde le quand ça sera parti, tu verras. Je ne sais pas si tu l'as vu, cette pub. Il n'y en a pas loin d'ici. Hein. Il y en a partout. Ça y est, c'est parti, c'est arrivé sur ton portable. Tu fais une très bonne transition sur les médias. Ben je trouve. Oui, mais c'était travaillé. Oui, mais tout ça... Bien sûr, elle a appelé Renova, elle a dit, écoutez... Votre campagne de pub, vous allez la sortir maintenant, c'est ça. Et après, on finira par une vidéo qui parlera justement de l'apparence et qui fera voir comment on est chacun un corps qui bouge, un corps différent, et c'est s'assumer en fait. Ah, tu as vu la publicité ? Oui, je viens de voir. Effectivement, ça transpire ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. On montre un corps, un type de corps, c'est toujours le même. Hein, mais ce corps, il est destiné finalement à correspondre finalement à quelque chose qui est assez récurrent dans les médias. Alors les médias, vite fait, hein, c'est un loisir. Dans les années 2000, la télévision, c'était le premier loisir. Maintenant, c'est devenu Internet, etc. Et ce qui est intéressant dans nos sociétés contemporaines, c'est que quand on lit un peu les anthropologues, ils expliquent qu'il y a un sens qui a pris le dessus, c'est le visuel. Les autres sens se sont complètement écrasés, c'est le visuel hein, qui a pris voilà, le pas sur les autres sens. Hein. On touche avec les yeux, etc. quoi. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que les médias, il ne faut pas être naïf. Les médias, ils ont derrière, il y a des logiques économiques. Hein, il faut, on va dire, satisfaire le plus grand nombre, correspondre au plus grand nombre. Et qu'est-ce qu'ils nous vendent de l'information, de l'image complètement façonnée. Et là, ce que tu m'as envoyé, ça en est une qui correspond tout à fait à ça. Excuse-moi, ça va plus loin, je vais te le dire. Ils nous prennent pour des cons, en fait. Alors, tu crois que si tu te on torches, a le droit de dire ça. Pour un corps comme ça, mais tu peux y aller. Va plutôt à la salle de sport. Hein. Non, mais franchement, ils nous prennent pour des teubés, c'est même plus. Mais tu comprends bien ce que je veux te dire et que je suis en colère parce que je trouve que, d'accord, le média, il peut faire. Mais arriver à faire ça, c'est qu'en fin de compte, ça va dans un délire où ils nous prennent pour des insuqués complets. Le problème, bon, là, c'est le papier-cul, mais après, quand on regarde les autres choses aussi qui se passent sur Internet, quand on parlait d'influence tout à l'heure, mais ça fait partie justement de ces influences environnementales. Une influence environnementale, oui, bien, j'allais dire environnementaux, excuse-moi, et qui ne sont pas négligés, puisque. Mais oui, mais quand on voit. Et les prises de conscience, c'est ça, c'est comme on arrive à dire, et pourquoi tu me diras pourquoi je ne peux pas dire ça? Oui, ils nous prennent pour des cons. Et sinon, la fin de ma phrase, je vais la chercher chez le boucher? Non, mais bon. Non, ils sont très malins. Pour moi, les médias, ils nous manipulent, c'est voilà, un message. Voilà, c'est ma phrase. Merci, Eric. Ah. Ben, les médias, il ne faut pas être naïf, encore une fois. La télévision, les images, etc., bon, dans le temps, ça a été libéré. Avant, c'était plutôt l'État qui contrôlait les images, etc. Après, c'est passé au domaine public.
Si avant, la télévision s'adressait à des citoyens, maintenant, elle s'adresse à des cibles marketing. On est des cibles marketing, tout simplement. Et ce type de publicité qui montre, même pour une voiture, on montre le corps d'une femme, pour un oui, pour un non, mais à chaque fois, ce n'est pas n'importe lequel. Hein, c'est pour, encore une fois, correspondre au plus grand nombre. Et il y a des corps voilà, qui sont mis en avant, et c'est toujours les mêmes, beaux, jeunes, musclés, etc. Et c'est ces repères-là qui sont systématiquement mis en avant, et les médias nous influencent dans ce sens, quoi. Et notre rapport au corps, il est influencé par toutes ces images-là, et qui sont quasi toujours les mêmes, avec des corps vraiment qui correspondent à chaque fois à cette logique dominante, ces valeurs de performance, etc., quoi. Typiquement, le corps qu'il y a, qui est présenté, c'est celui d'un bodybuilder presque, hein, mais ça renvoie ce corps au corps sportif. Et c'est ce corps-là qui est tout le temps valorisé et qui fait vendre, finalement. Il y a tout un tas de travaux autour de ça, hein. Bon, je ne vais pas les citer, hein, mais j'en cite un quand même, Baudrillard, j'adore sa phrase, c'est « le corps, c'est le plus bel objet de consommation ». Donc, il n'y a pas meilleur média pour pouvoir faire vendre. Donc, et ça, ce sont des repères que l'on prend, les médias. C'est un repère très fort qui est de plus en plus présent. Alors, avec Internet, n'en parlons pas. Et ça influence nos manières de penser, d'agir. Il y a juste Cathy qui dit, à cause de cette représentation, une amie vient de tomber dans l'anorexie. C'est ça. Mais c'est là où est le drame, en fait. Oui. C'est que tu vois, sur un truc, mais en plus de ça, ce n'est pas anodin, le papier cul, le machin, parce que les gens, ils vont, combien il va payer ce rouleau de papier hygiénique, en fait. Parce que juste, comme le truc perle de lait, tu vois une femme qui est... Et qu'en fait, parce que les gens, ils vont manger du perle de lait, parce que c'est dégradant. Ça veut dire qu'on considère qu'on peut manipuler tout le monde et qu'on peut en faire tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on va nous conditionner. Et c'est là où moi, je me dis que je ne me tairai pas, où je dis que nous, on est là pour ça, pour dire vous faites ce que vous voulez. Par contre, entendez qu'en fin de compte, les personnes, quand tu rentres, les types qui font le marketing dans les supermarchés, il y a tout qui est placé au bon étage, au machin, les senteurs. Parce que tu dis, pour une première fois, je vais être un petit peu... Tu peux pas trop de ton avis quand tu dis qu'on est conditionné qu'avec le visuel. Maintenant, on va pousser les choses dans les magasins à mettre des odeurs, des choses pour inciter la personne. La musique qui fait consommer deux fois plus le consommateur. Sachez-le, je l'ai appris dans un cours qui n'était pas de Monsieur Pereira, mais c'est effectivement ça. Mais juste dans l'histoire. Qui sont les plus influencés? Ce sont les adolescents, les jeunes adolescents. Nous, on a encore quand même un peu de jugeote pour certains. Oh non, mais ça va, oui. Oh, mais alors là. Mais dans certains pays, il y a certaines publicités qui ont été interdites parce qu'elles ciblaient les enfants, elles faisaient passer les parents pour des imbéciles, etc. Donc, encore une fois, on est des cibles marketing et tout est fait justement pour et ça organise notre manière de penser, de vivre. Carrément, ça influence notre mode de vie. Et croyez-moi, ouais. C'est incroyable justement l'impact que ces publicités ont en fait et le drame que ça peut amener chez beaucoup, enfin, pas mal de personnes quand même, puisque ça les pousse à la consommation de produits qui ne sont pas bons du tout. Ça, si on parle vraiment, si on se recentre sur l'obésité par exemple, c'est d'acheter des produits qui vont créer d'autres maladies, des insuffisances rénales, bref, je vous passe les détails sur les maladies, mais qui vont impacter sur d'autres maladies et rendent en fait encore plus mal la personne que ce qu'elle était en fait. Mais surtout que tu dis qu'un enfant, il est vulnérable, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais... Par contre, nous, les personnes qu'on voit et qu'on accompagne et qui sont justement les personnes en problématique d'obésité, on n'est pas débiles, mais on est vulnérable parce qu'on veut à tout prix être accepté et donc on est prêt à tout. Et tu vois, là où ça va dans la dimension où c'est quand ça impacte sur notre quotidien, en fait. Mais quand tu vois Cathy qui dit
qu'en fin de compte, une amie, mais justement, par rapport à ces messages de publicité, ces choses comme ça, où elle voulait peut-être, elle est tombée dans l'anorexie, on se rend compte qu'on va dans une dimension de la santé, en fait. Et que là, il faut prendre, il faut qu'il y ait des prises de conscience quand même réelles, que le quotidien, la qualité de vie ou des choses comme ça, mais quand ça va envoyer des messages tellement forts qui vont impacter sur une santé et comme on voit sur la prévalence des maladies chroniques, tout ça, là, on n'est plus dans l'image corporelle, mais c'est vraiment cette influence-là où on va impacter, parce que l'image corporelle, c'est l'estime de soi, quand on va envoyer des messages de faire beaucoup d'activités, de venir comme ça, mais si tu n'as pas le corps, tu n'as pas le reste qui suit, eh bien, tu vas créer des maladies. Donc, on va impacter sur la santé de la population. Et là, on est dans une autre dimension, en fait. Ouais, c'est cet écart. Quand je vois l'image que tu m'as envoyée, bon, ben ouais, il y a un écart avec la réalité. Les gens, tout le monde ne correspond pas à cette image-là. Évidemment, on voit vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur les valeurs. Ce corps-là, c'est toujours le même, hein, donc performance, etc. Et quand on ne correspond pas à ces valeurs-là, ben, on est plutôt pointé du doigt comme finalement ceux qui se laissent aller, qui ne prennent pas soin d'eux, alors qu'aujourd'hui, on a les moyens finalement. On a du temps libre, on peut aller à la salle, on pourrait façonner son corps pour correspondre à ces images-là. Mais bon, voilà, c'est une image qui est pensée par notre société, par les médias. C'est des repères finalement qui sont complètement photoshopés. Je pense que cette photo que tu m'as envoyée, à mon avis, elle est retravaillée. Il ne faut pas être naïf non plus. Tu disais que c'est un corps impossible. Photoshop peut réaliser effectivement des corps impossibles. Voilà, des idéaux, quoi. Mais voilà, il faut avoir cette jugeote, cette capacité à prendre du recul par rapport à ça. Ouais, je suis absolument d'accord. Les gens un peu qui souhaiteraient avoir ce corps-là, qui est un corps remarquable. Mais c'est ce corps-là qui, finalement, crée le désir, crée l'envie, etc. Mais, encore une fois, c'est marketing. C'est la discussion qu'on avait eue, tu vois. Donc, on était quatre, parce qu'on va tout te dire, on était quatre, cinq à regarder cette image. Donc, sur les cinq, il y en avait une, elle était au taquet. Ah, déjà, quand elle nous a fait voir ça, donc elle le voyait dans tous les panneaux de. Et après, il y en a une autre qui disait, si, voilà, c'est un beau corps, il est pas mal quand même. Mais moi, je te garantis, il faut bien dire ce qui est, moi, un corps comme ça. Je ne sais pas quoi en faire. Mais je ne sais pas quoi en faire, mais je ne passerai pas un temps. Alors, je représente, je pense que c'est ça, en fait, je suis en train de me rendre compte. Je ne représente peut-être pas le français moyen, mais je me dis, mais. Tu vois, c'est super. On voit que si jamais ils mettent des corps en avant comme ça, on s'aperçoit que quand même, il y a une grande partie de la population où ce corps-là va vendre du rêve, objet de désir, de plaisir, de machin. Mais c'est cantonné, justement, mais pas que la femme. La personne a un objet, en fait, qui n'est pas capable de savoir, de dire ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas, en fait. On est formaté, mais au possible. Et surtout, il ne faut pas dire qu'un corps comme ça, ben moi, ça ne m'attire pas le désir. On me dit, mais quand même, c'est difficile. Eh bien non, excuse-moi du peu, quoi. Et si tu ne le dis pas, si tu dis ça, tu n'es pas dans la normalité de ce qu'une femme devrait aimer comme un corps. Mais c'est un corps d'athlète. Mais moi, ce n'est pas un corps d'athlète. C'est un corps qui est... Je crois que je ferais ça, je me dirais... Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas pareil. Le corps, mais le symbole qu'ils ont mis à la place du symbole. Ah oui, sur la représentation. Mais voilà, après, tu te rends compte que quand on parlait de prise de conscience, on nous enlève toute possibilité de réfléchir par rapport à soi et puis aussi d'afficher le fait qu'on n'est pas d'accord avec cette image parce que c'est les diktats et tout ça. Quand on parlait que justement, cette identification, c'est aussi pour la valorisation, pour l'estime de soi. Mais quand tu oses dire que ben non, on te dit, ben allez, tu n'es pas intéressante en fait, parce que tu dis n'importe quoi, parce que c'est comme ça qu'on est beau. Quand on parle de la belle femme, des personnes comme ça qui sont des belles femmes Miss France, alors moi ça me fait halluciner, quoi. Alors je vais me tirer peut-être les foudres de tout le monde, mais comment tu peux dire que cette personne-là,
c'est le critère de la beauté et elle représente, moi, elle ne me représente pas en fait. Comment une personne, on peut mettre une personne dans son corps, dans tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle fait, la représentation de la France en fait. Et ça veut dire que moi, si je ne suis pas Miss France, ben, je ne représente pas trop la France, je n'ai pas trop d'intérêt et surtout que Miss France et moi, ben, quand même, on est un peu de loin. Hein. Mais bon, ça voudrait dire que je ne pourrais pas m'épanouir dans ce que je fais. Mais pourquoi tu rigoles, Eric ? C'est quand même décevant, parce que je croyais que tu allais dire « Non, mais vous n'êtes pas trop loin l'une de l'autre. » Ça va, c'est ta cousine d'une autre jambe. Ouais. Moi, ce qui m'inquiète dans ces corps, c'est plutôt tout le travail qu'il y a derrière, le coût aussi. Parce que pour travailler un petit peu sur le bodybuilding, je sais voilà, les régimes qu'il y a derrière, le temps passé à la salle, c'est vraiment une discipline, quoi. On discipline le corps, quoi. Pardon ? C'est un formatage, ça aussi. C'est en tout cas énormément d'investissement, d'engagement, et je ne suis pas sûr qu'on arrive à ce résultat comme ça naturellement. Bon, on peut discuter longtemps, mais bon, voilà. Le risque pour moi, effectivement, c'est qu'on parlait de Photoshop, on parlait d'une image, etc. Voilà, il y a souvent un écart avec la réalité. Mais le problème de ces images-là, c'est qu'elles nous renvoient à notre propre rapport au corps et elles renvoient aussi au fait que ceux qui ne correspondent pas à ces corps, finalement, ils sont plutôt, ils renvoient autre chose, le laisser aller, etc. Vous voyez, et c'est comme ça, ça peut créer voilà, des discriminations. Je ne correspond pas à la norme dominante, bah, je suis mis sur le côté, quoi, finalement. Exactement, mais c'est comme ça que les gens réfléchissent, c'est ça qui est malheureux. Moi, un jour, on m'a dit, si tu n'es pas dans le cadre, parce que je suis un peu quand même avec un fort tempérament. Donc voilà. Au cas où tu n'aurais pas compris. Si tu n'es pas dans le cadre, en fait, c'est comme si tu n'es pas dans le troupeau, en fait, tu es en dehors du troupeau, et un jour, ben, tu es en dehors du troupeau, et ben en fait, les brebis galeuses, ben, ou elles se font bouffer par le troupeau, ou elles sont exclues, elles finissent seules, en fait. Mais ça, c'est ce qu'on te fait croire. Moi, je suis. Alors après, parce que tu as un vécu, et c'est aussi ce message-là que je fais passer aux personnes. À un moment donné, il ne faut pas avoir des craintes de. Parce que un peut-être au périmètre carré, il n'y en a qu'une comme moi, et en fait, ben, je ne vois pas l'autre brebis. Mais il faut rester fidèle à ce qu'on est. Et ce n'est pas parce que tu es en dehors du troupeau, tu peux apprendre à pêcher, à chasser, à faire ce que tu veux, à te débrouiller tout seul. Puis tu rencontres un autre qui est une personne, et bien après, tu fais d'autres, des petits. Et en fait, le troupeau, il se constitue, mais ce n'est pas besoin de rejoindre quelque chose parce que c'est comme ça que c'est dit. Et d'avoir peur surtout d'être à l'écart de ça. Et moi, je pense qu'il faut vraiment assumer ce qu'on est. Et dans... Il y a d'autres personnes qui forcément sont dans ce plan-là aussi. Et arrêter d'être dans la comparaison, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On est dirigé par des dictats de la performance, de se comparer à l'autre et de dire celui-là, il est. Et quand on revient au bodybuilding, là, de ce que tu disais, quand, ne rigole pas, quand ces personnes-là, elles font ces régimes, et je crois qu'on a eu discuté de ça, c'est comme les rugbyman, tu vois, qu'on façonne pour être justement les meilleurs. Et puis un jour, ils ont une blessure où ils arrêtent la carrière et on ne fait rien derrière. Mais le problème de les formater comme ça, quand ils arrêtent tout parce qu'ils ne peuvent pas avoir une vie comme ça tout le temps, eh bien, ça entraîne quoi ? On revient toujours à la même chose, des problèmes de santé. Parce que les messieurs là, qui prennent des protéines tous les jours, quand on voit la protéine, qu'avec le régime du camp, comment ça impacte sur le système rénal, sur les choses comme ça. Enfin, je ne sais pas si tu as fait des études et si tu vois les chiffres et si tu connais les choses, mais des personnes qui ont des régimes comme ça, qui vont solliciter de manière surnaturelle, en fait, et pas de la bonne manière, comment ça va impacter sur le reste dans le vieillissement du corps, en fait. Et il y a Cathy qui dit, j'ai vécu dans ma jeunesse avec un bodybuilder, l'horreur, poulet, œuf, poudre, 5 heures de salle. Ouais. Oh ouais. Et bon, en tout cas, voilà, ce sont des modèles qu'on en retrouve de manière omniprésente dans les médias, mais on retrouve aussi dans les jouets, Ken et Barbie, ce sont des modèles voilà, qui reviennent. Ouais, non, mais elle, non. Bon. Moi, j'en connais une qui a arraché des cheveux à Barbie. Hein. On ne parle pas assez de celle-là. Je ne supportais pas cette femme. Mais dire, regarde comme elle est belle. Mais rien que, je veux dire, une jambe, c'était même la moitié de mon doigt, mon petit doigt.
Elle avait des petites cliquettes. Je te jure, elle avait des cliquettes comme Marc. Oui, mais ton doigt n'est pas gros. Mais quand j'étais petite. Ton doigt était gros quand j'étais petite? Oui, parce que j'avais des mêmes moufles. J'étais un bébé dodu et potelé. Potelé, j'adore ce mot. Potelé, je le trouve rigolo. Et en plus, sur les médias, sur aussi les critères maintenant, parce qu'on m'a poussé justement à faire croire qu'on enlève ce cliché juste avant de revenir justement au régime et minceur. Mais en fait, on arrive même maintenant à dire qu'il faut des quotas en fait, pour justement faire croire que donc il faut celui qui a un peu de ah oui. a du poids, il faut celui qui est comme ça, il faut prendre un handicapé parce pour que ça va bien. Mais c'est ça en fait. Ça devrait donc, même pas se poser la question, ça devrait être naturel en fait. En fait, la personne, tu dois la prendre pour la compétence pour et maintenant, est... dans les médias et dans tout, la société, ce, qui est, tout ce qui est le ou la société, on renvoie qu'il faut des critères de genre en fait. Des critères de population, des critères de un gros, un petit, un machin, mais c'est... Alors, tu parles de handicap, je rebondis, hein, parce que médias et handicap, il y a eu beaucoup de, comment dire, d'évolution. Il y a des travaux qui se sont intéressés aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Ils ont comparé la mise en scène, hein, finalement, des performances hein, des athlètes, athlètes valides et athlètes handisportifs, on va dire. Et en fait, ces travaux montrent que ben, il y a une nette différence hein, dans la manière de présenter les athlètes. Alors, bien souvent, c'est plutôt stigmatisant. C'est-à-dire que les athlètes handisportifs bah, sont plutôt montrés dans leur handicap, dans leur déficience, etc. On ne s'intéresse pas du tout finalement à leur performance, etc. Donc, mais depuis que ces travaux ont montré ça, les médias ont commencé à mettre en scène autrement les athlètes paralympiques. Et on le voit depuis les jeux du Brésil et de Londres. Londres et Brésil, ça et je trouve que voilà, il y a eu une prise de conscience, j'ai l'impression. Bon, après, j'ai pas de résultat là-dessus, mais j'avais cette sensation-là parce que finalement, le sport, le loisir sportif, c'est un levier intéressant pour déstigmatiser, pour montrer autrement le handicap, etc. Vous voyez. Donc, quand on parlait d'éduquer, dans quelle mesure on peut éduquer aussi les médias pour qu'ils mettent en scène autrement la différence, ça peut-être pousser un peu dans ce sens. Voilà, on parlait de l'image du corps, etc. Dans quelle mesure, alors tu parlais de diversité, mais comment ils mettent en scène cette diversité, ça c'est un vrai métier. Quoi. Donc les médias pourraient être, et je pense qu'ils auraient tout à gagner, parce qu'ils ils ouvriraient à un public beaucoup plus large. Bon, il y aurait une vraie réflexion. Quoi. On parlait d'éducation, on pourrait pousser dans ce sens. Oui, mais après, dans l'éducation, comme tu dis, dans l'éducation, déjà, il faudrait que ça vienne dans la petite éducation quand on est petit. Quand on est petit, qu'on a du sport à l'école et qu'on n'est pas comme tout le monde parce que ben, on a une différence que tout ça et que tout ça. Pareil, pour pousser les quand on parle après des médias, des corps, tout ça, moi, ça me fait doucement rire parce que oui, il y a des choses qui sont mises en place et notamment dans le sport, mais quand je vois comment on est traité à l'école, parce qu'il y a une différence et qu'en fait, on te met sur un banc avec un sifflet, moi, ça me tue. Ça me tue parce qu'au bout d'un moment, quand on voit les avancées, justement, et notamment les Paralympiques, moi, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, c'est de la pub positive qui montre en fait ce que sont réellement ces athlètes, en fait. Sauf que quand on voit, dès la petite enfance, en fait, il faudrait faire ça, c'est-à-dire montrer qu'en fait, ce n'est pas des gens, parce que ce n'est pas une personne qui a des béquilles, ce n'est pas une personne qui a un fauteuil roulant, non, c'est un athlète, en fait. À son niveau et dans sa discipline, sauf qu'on ne nous permet pas ça encore. Et dans l'éducation, justement, pour en avoir discuté et rediscuté avec certains établissements, eh ben, je trouve ça quand même désastreux qu'on ne mette pas... Alors maintenant, ils diraient oui, mais ça se met, c'est en train de marcher, de se mettre. Mais c'est en train de se mettre pour l'avoir vécu et de rester sur un banc avec un sifflet, alors que je savais pertinemment que je pouvais faire des choses et que dans certains sports, ben, je pouvais m'adapter, mais on ne m'autorisait pas à m'adapter. Et ce n'était pas à moi de m'adapter, normalement. Puisque quand on parle d'insertion, qu'on parle justement d'intégration, eh ben, l'insertion, l'intégration par le sport, moi, j'y crois énormément. Sauf qu'en fait, on ne saisit pas ces opportunités parce que c'est aussi
changer les comment ça s'appelle les regards sur le handicap, c'est changer aussi la formation initiale des professeurs ou des comment ça s'appelle des entraîneurs. Ah oui. Enfin, voilà, c'est changer quand même pas mal de choses. Alors, c'est sûr que ça se fait pas en un jour, mais quand on parle voilà du corps, de l'image du corps qui bouge. Eh bien, moi, je trouve que là-dedans, il y a encore quand même, au plan plus national, grâce aux médias, oui, ça se fait au niveau des Paralympiques, des choses qui touchent vraiment le grand public. Mais quand on regarde qu'avant d'arriver à ce grand public, il faut passer par la case départ, eh bien, si l'enfant n'est pas sensibilisé aux pratiques, eh bien, il ne se fera pas tout seul, malheureusement. Tu me l'as énervé. Pardon. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Laure. Les profs de PS, j'ai pas le choix. Les profs de PS, tu parlais dans l'univers de l'école, ne sont pas toujours formés, préparés à accueillir un public, à comprendre qu'il a tout de même des capacités et qu'il peut faire certaines choses que l'arbitrage, comme tu dis, ou se retrouver sur le côté, observer. Bon, voilà. Ça, je suis absolument d'accord et je pense que les formations en STAPS sont intérêt à réfléchir dans ce sens. Après, les médias, je ferme la parenthèse là-dessus, mais le problème des médias dans les Paralympiques, même s'il y a un effort qui est fait, on voit toujours les mêmes. Oui. Qui sont mis en scène, c'est les prothésés, mais c'est 1% du handicap. Hein. Alors, ce qu'ils appellent, c'est le super clip, hein, c'est le super handicapé, mais il est intéressant, pourquoi ? Parce qu'on est encore dans ces valeurs-là, parce qu'il peut dépasser valide, parce qu'il a les capacités et de dépasser, de battre les valides. D'ailleurs, Pistorius, même si voilà, il a d'autres soucis, à un moment donné, il a fait la controverse parce que justement, il pouvait concurrencer les valides. Quoi. Donc évidemment, on l'a accusé de dopage avec ses pales, etc. Mais vous voyez, on voit que cela. Et par contre, il y a un processus là que Anne Marseigny mettait en avant. Je termine là-dessus, c'est le processus d'occultation. On ne voit pas les autres handicaps, femmes amputées, voilà, il y a des catégories comme ça de personnes handicapées qu'on ne voit pas. Et la diversité, pourtant, voilà, elle existe, elle est là, et ce n'est pas que les prothèses. Mais c'est pour ça qu'en plus de ça, la définition de handicap, et nous, on essaye de se battre aussi pour dire que l'obésité, ça fait partie, mais c'est une sorte d'handicap parce que l'accessibilité, et on rencontre les mêmes problématiques. Et tu vois, quand tu parles de, je ne sais pas, je n'ai pas retenu le nom de cet athlète qui a concurrencé les valides, moi, quand j'entends ce truc, c'est dimension valide, invalide, enfin, c'est vraiment tous des athlètes, mais tu vois, là, on en revient sur le fait que ce monsieur-là, il est mis en avant parce qu'il a dépassé, il est sorti du cadre et il a pu faire. C'est comme moi, en fait, quand on a parlé l'autre jour justement du handicap, c'est qu'à un moment donné, c'est où tu vas performer et ce que tu vas pouvoir faire. Pourquoi on s'est intéressé à l'obèse qui allait traverser l'Occitanie ? Parce que l'obèse qui traversait l'Occitanie, c'était que la presse, elle pouvait dire, ben, elle a fait 300 kilos, elle était en fauteuil roulant. Maintenant, regardez-la, je vais la suivre en 23. Allez, trois coups de pédale là, trois coups de pédale là, trois coups de pédale là. Regardez, l'obèse qui a perdu 200 kilos va traverser l'Occitanie. Parcours extraordinaire, mais parcours extraordinaire de quoi ? Et c'est ça qui est mis en avant, et c'est ça qui est dommage. Et en fait, moi, j'ai fait ça juste parce que je voulais faire voir aux gens qu'on s'en fout d'être extraordinaire. Et ce n'était pas celle que j'étais et mon poids et tout ce que j'étais, où là, on a fait des choux gras. C'était de faire voir que malgré la différence, malgré des choses qui nous enferment dans ce qu'on est, des choses, elles sont possibles. Et quand, justement, et heureusement qu'on rencontre des gens qui sont extraordinaires, et heureusement que j'ai rencontré ces personnes extraordinaires, parce que c'est dénigrant aussi par la presse quand tu n'es que ça, en fait. Tu n'es qu'une obèse qui pédale et le parcours exceptionnel. La golfeuse, elle faisait 300 kilos, maintenant elle fait du golf. Non, mais à un moment donné, c'est bon. Et j'ai plus envie de ça parce que je me dis, alors je m'en sers des fois parce que c'est que comme ça que tu peux faire parler de la cause, en fait. Et quand je vois Michel Pradé, et je reviens à Michel Pradé, qui un jour m'a dit, dans ta préparation,
Et en plus de ça, Michel Pradier, les personnes qui nous suivent le connaissent bien parce que c'est quelqu'un qui a entraîné des athlètes de haut niveau. Et quand il me regarde, il me dit, mais dans ta préparation, dans ton entraînement, dans l'effort que tu as fait, tu étais une athlète de haut niveau. Eh bien, ça fait du bien à entendre, en fait. Et ce n'est pas fanfaronné. C'est parce que quand tu comprends ce que c'est du haut niveau, le haut niveau, c'est sûr qu'il est à côté de... Enfin, il est de là où tu pars, en fait. Mais c'est ça. Et on te dit, le haut niveau, c'est parce que oui, il a fait. Et après, même dans les représentations, quand je suis partie à les pédaler obésité, même les gens, il y avait une personne qui n'avait pas de problème de poids et qui était avec moi et qui était enseignant à pain. Et quand je disais, ben, je pédalais mieux et j'étais plus à l'aise sur un vélo que cette personne-là, et ben, on me dit, c'est pas possible. Non, mais il a 22 ans, toi, tu te rends compte, tu as ça, tu as ça. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce que dans le vélo, pour performer, tu as ta condition physique. C'est que tu sois à l'aise, c'est que ouais. Tu as les muscles qui sont... Et tu as la stratégie sur la technicité en descente, parce que je n'avais pas peur et que je me mettais dans la position aérodynamique et machin. Tu lui grillais un vent à celui qui faisait... qui avait une morphologie et qui était un sportif, parce que nageur, parce que machin. Et en fin de compte, les gens croient. Et jusqu'au bout, cette dame, elle a dit, non, mais n'importe quoi. Mais tu vois bien que comme quoi on enferme. On en vient dans des clichés parce qu'on te renvoie que cette image-là. Et après, les personnes ne veulent pas croire qu'elles ont fait un exploit. Et c'est ce qu'on dit aux personnes qu'on accompagne. Et bien, même faire 10 levées de chaise, alors que quand tu es arrivé, tu faisais un pas et tu étais essoufflé. Et bien, 10 levées de chaise, c'est un exploit par rapport à ta performance où tu as évolué, en fait. Et donc, c'est l'adaptation, la temporalité de tous. Et brisons pas les rêves des gens, et l'image, c'est la même chose, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que Michel Pradier, finalement, il ne te réduit pas à ton handicap, contrairement aux médias, finalement, qui en font une espèce de, voilà, quelque chose de sensationnel, etc. C'est l'effet média. Mais si celui qui avait mis en scène l'affaire avait été un petit peu, avait un peu de jugeote, savait ce que c'était, il n'aurait pas mis en scène de cette manière-là. Mais je suis d'accord, je vois l'idée. Mais c'est pour ça que quand on parle de ça et qu'on m'a parlé des possibilités, des leviers qui vont permettre justement d'amener une image plus positive que tous ces trucs qui sont stigmatisants, c'est ce que je veux dire, c'est les rencontres aussi, des rencontres humaines en fait. Moi, ce monsieur, il a débarqué dans ma vie, je ne savais même pas qui c'était. Tout le monde me dit, mon Dieu, c'est Michel Pradier, il a fait des livres, il a fait de ma chaîne. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Et en fait, le type... Il était simple, il était là posé devant moi et en fait, on a parlé de l'ATP, des trucs, alors que moi, je n'avais aucune formation et que je ne connaissais rien. Mais il m'a pris en considération parce que j'avais envie de comprendre, j'avais envie de découvrir et j'étais comme un enfant dans un jouet, un magasin de jouets. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Et, un enfant dans un jouet, c'est pas non, normal. Dans un magasin de jouets et je me disais, mais ce monsieur me parle en fait, tu vois. C'était la star. C'était la star qui parlait à Annie Contiro. Et puis après, je me suis aperçue qu'il écoutait juste ce que j'avais fait, ce que je voulais faire. Et il ne me jugeait pas dans une apparence parce qu'il m'avait vu en fauteuil et plus en fauteuil, en fait. Il était fier quelque part de moi parce que aussi, tu vois, quand tu parles de la comparaison, de la reconnaissance, et quand des fois, tu entends bravo, il disait bravo, pas parce qu'Annie, qu'elle avait besoin qu'on y dise bravo, qu'on l'aime bien. Parce que c'était vraiment quelque chose qui était un exploit sportif. Et donc, il ne me cantonnait pas juste à un poids, à une histoire. Et ces rencontres-là sont des leviers. Quand des fois, on a une vie qui est compliquée, on trouve... Et des fois, on a des êtres comme ça qu'on rencontre déception et qui va te donner une autre dimension et qui va te sortir de tout ça et qui va te donner la possibilité d'un peu plus apprendre à te connaître, d'un peu plus à te respecter, d'un peu plus à prendre conscience de ton image corporelle et d'en faire quelque chose, parce que des fois, c'est un peu comme une patate chaude, oui, mais je voudrais faire ça, mais en fait... Et en fait, après, tu t'aperçois que ton corps que tu as, tu peux en faire quelque chose qui va te permettre de te transcender au lieu de t'anéantir, en fait. C'est un peu le principe de ton association. L'échange d'expériences, pérédance, on a beaucoup discuté avec Laure. Placement de produits là aussi. Donc oui, ces rapports humains sont importants dans une trajectoire de vie quoi, qui peuvent à un moment donné
orienter, aider les personnes voilà, qui finalement sont dans une impasse. Je suis absolument d'accord avec tout ce qui vient d'être évoqué. Oui. Et c'est ça, c'est après, c'est développer, au lieu d'avoir une mauvaise image corporelle, développer une image positive de soi-même. C'est ça. À l'aide de ça. Donc, tout à l'heure, on a un peu amorcé la bombe en parlant de régime, n'est-ce pas? En parlant de médias et tout ça, bien sûr. Donc, en 2009, l'Institut Harris Interactive a annoncé dans le magazine Top Santé que plus de 8 femmes sur 10 surveillaient leur alimentation pour maigrir et plus exactement 30% surveillaient en permanence les aliments qu'elles consommaient. Tout d'abord, il est important de noter que seuls 5 à 15% ne reprendront pas de poids lorsque le régime sera choisi, sera terminé. Je pense qu'Annie, qu'il ne faut pas qu'elle ouvre sa bouche sur le régime, parce que là, on en a pour 45 minutes. Vous êtes prêts? Attention, c'est à toi. À moi? D'accord. Non. Pas de mots, ben, c'est un marché, hein. Le marché de la minceur. Alors là. Quand on parle de marketing, là, je pense que… Oui. Avec toutes les recettes qu'il peut y avoir pour essayer voilà, de montrer que tel et tel régime est plus efficace qu'un autre, ben ça rentre encore une fois dans ces logiques-là. Hein. Comment dire, la gestion de soi, finalement, voilà, on a du temps libre, ça devient un loisir, mais qui a un coût, etc. Et ça renvoie à cette idée de finalement, comment dire, rentrer dans une discipline du corps, ce qu'on a évoqué, pour finalement correspondre à la norme, correspondre au corps attendu, quoi. Pour pas rester et se retrouver marginalisé, discriminé, quoi. Voilà. Donc, si finalement vous faites pas d'exercice, vous rentrez pas dans ces régimes-là, eh bien automatiquement, bon, ben voilà, on se retrouve un petit peu avec cette étiquette du laisser aller, etc. Donc, on revient sur cette dimension-là. Oui. Mais, je ne dirai pas plus, mais... Ah. Non, j'en reviens à tout ce que tu dis, oui. Mais c'est sur les prises de conscience. Je suis la petite prise de conscience ce soir. C'est regarder l'impact à vous faire justement les conséquences du culte de la minceur. Et regardez cette dame, excusez-moi, là, sur les deux images-là. Alors, c'est sûr, c'est flagrant, en fait. Ouais. Mais dites-vous que cette dame-là qui est dans un certain corps, elle a peut-être une santé qui n'est pas forcément... Schéma, en fait. Qui est pas forcément elle est bien au niveau médical et tout ça. En fait, après, elle veut devenir... une personne parce qu'elle va représenter le culte de la minceur et mais en fin de compte cette dame elle peut se rendre malade parce qu'il y a des régimes et on voit beaucoup de régimes qui sont restrictifs, des choses qui mettent en carence avec, qui entraînent des problématiques neurologiques mais graves, on s'aperçoit pas des conséquences et qui peut après tomber dans des troubles de l'alimentation anorexique et des troubles psychiatriques énormes. Et en plus de ça, on va parler de l'image corporelle, mais de la perception de son image corporelle. Il y a des personnes, et ça on le voit beaucoup en chirurgie, qui perdent du poids en disant « mais quand j'aurai une image mieux, que je pourrai rentrer dans du 38 et tout ira bien et tout ira mieux », c'est ton propre question de résonance en fait. Et après tu te regardes et tu n'es jamais dans le corps parfait, le corps idéal. Et en fin de compte, tu te cherches… Et tu te saccages quand même parce que tu ne te vois pas en fait. Parce que rentrer dans un critère de silhouette qui doit être normal, eh ben, tu peux être dans un poids, tu te regardes, mais c'est ton regard sur toi-même en fait. Quand tu te regardes dans une glace comme il y avait au début, dans un miroir, eh ben, tu peux avoir perdu 50 kilos et c'est ça le drame. Si tu as une mésestime de toi, si tu ne t'estimes pas et si tu penses que tu ne vaux rien, tu peux te regarder et tu te regarderas toujours de la même manière en fait. Puis en plus, le souci, c'est que toutes ces pubs, tout en fait, qui sont attachés, tout ce qu'il y a autour de ces régimes, en fait, encore une fois, ça parle de la population générale. Le problème, c'est qu'on n'est pas de la population générale. On est tous des individus à part entière,
avec un corps, une histoire, un métier. Voilà, il y a tout ce qui vous constitue, ce que vous êtes aussi au plus profond de vous-même, et que en fait, ces régimes ne sont pas appropriés à chacun, en fait. Mais c'est surtout que c'est un désastre au niveau de la santé. Il faut entendre. Oui, mais forcément, ça impacte après, sauf que c'est la santé générale, en fait, qui prend. Oui, parce que ce n'est pas du tout représentatif de ce que vous êtes et ce que vous avez potentiellement. Et que ben, écoutez, ils sont bien beaux, ces petits bonhommes, là, mais ces petits bonhommes, on ne sait pas ce qu'ils ont dans leur tronche, on ne sait pas ce qu'ils font de leur vie, on ne sait pas de tout ça. Et puis, ils ne sont pas plus épanouis. Hein. Mais c'est pour ça, on ne sait pas ce qu'ils ont en plus profond de leur vie. Quand je disais, mon Dieu, que j'aimerais être au Shakira, je disais, mon Dieu. Mais Shakira, elle s'est fait enlever des côtes. En plus de ça, quand tu revois Shakira, mais elle doit être peut-être malheureuse dans sa tête parce qu'elle prend des drogues pour être... Moi, je n'ai pas besoin de drogue, hein, c'est naturel. Si, elle en a besoin, mais ça, on en discutera plus tard. Mais en fait, tu rêves de ce que tu n'as pas. Et juste, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Eric. On te renvoie une image ou même tu te projettes là-dedans et tu as un corps de rêve, une star sur ton frigo. Mais la meuf, tu ne seras jamais la star sur ton frigo. Moi, et si quand vous voulez, je peux vous mettre des photos de moi sur mon frigo. Il n'y a aucun problème. Et quand tu regardes la vie de la star, mais est-ce qu'elle est épanouie dans sa vie? Donc, essaye de t'épanouir toi dans ton corps et dans ta vie. Et puis après, ne te compare pas à Pierre-Paul ou Jacques. Sois au plus c'est quoi comme star, cela, Pierre-Paul ou Jacques? C'est un plus de clair, quand même. Et sur cette image corporelle, souvent, il y a des raccourcis qui sont faits, qui sont liés à des représentations, qui sont liés à tout ce qu'on vient d'évoquer. Il y a des travaux qui montrent tout simplement que finalement, des fois, le beau corps, ce qu'on vient d'évoquer, mince, etc., c'est un gage de réussite. Il y a des travaux qui montrent ça. Il y en a d'autres qui montrent que finalement, le beau, etc., est associé à l'intelligence, à la gentillesse, à la santé, à la sympathie, ce qui est beau et bien. Et à l'inverse, il y a des travaux comme celui, alors qui est assez connu, celui d'Amadieu, hein, qui a fait un test sur les CV avec des photos de visages de personnes obèses, qui montrent justement que ces CV, évidemment, sont systématiquement mis de côté, quoi. On voit effectivement les effets de notre société sur ce rapport à l'image, ce rapport au corps et selon ce que tu évoques, hein, ces images-là négatives, parce que effectivement, encore une fois, il y a ces représentations et ce raccourci là qui est fait comme ça, parce qu'on est influencé comme ça, on a construit, hein, par différents types d'influences depuis notre enfance, hein, on a construit ça, et donc on se retrouve avec des illusions. Alors moi, je pense beaucoup. Et voilà, après, je vous laisserai la parole là-dessus, mais au travail de Kaufman, encore une fois, mais sur autre chose, sur les magazines, elle, il y avait une mode à un moment donné, c'était les mannequins ronds, les spéciales. Le magazine, elle, proposait un numéro spécial ronde. Mais en fait, il s'est rendu compte que c'est deux numéros sur une cinquantaine. Et dans ces numéros spécial rondes, finalement, il n'y a pas que des mannequins ronds. Hein. Il y a les autres mannequins aussi qui reviennent systématiquement. Donc voilà, il y a ces effets-là qui reviennent et qui influencent notre regard sur le rapport au corps et qui, quand il y a des écarts, produisent ces images-là négatives dont tu parles. Et oui, je ne sais pas si j'étais clair. Mais si, tu étais clair, mais ça, je me concentre pour ne pas me mettre en colère. Mets-toi en colère, vas-y. Non. Je vais faire comme j'ai fait l'autre jour. Je vais me contenir. Je vais encore te surprendre. Non, mais voilà, mais après, c'est pas se mettre en colère, c'est que justement, c'est ce qui est important, c'est que les personnes prennent conscience qu'on est manipulé. On peut être manipulable, mais que en fait, il y a plein de choses qui peuvent être changées et désamorcées, en fait, et qu'on ne peut pas nous réduire. Pourtant, je suis, on me dit, oui, mais quand même, ça aussi, c'est pareil. J'ai l'impression d'être toujours en réaction. On me dit, mais tu ne peux pas être contre la chirurgie bariatrique, tu as été opéré. Ce n'est pas la chirurgie bariatrique qui fait ce que j'ai. Mais on te met toujours à un outil, en fait. Et quand tout à l'heure, je parlais des Miss France, et c'est pour ça que je t'écoutais attentivement sur les rondes, où je vois les Miss rondes, mais moi, ça me met
en fait, c'est quand même catastrophique parce que sur en pensant qu'on va aider les personnes à s'assumer, on les enferme. Et moi, ce que je ne veux pas à l'association, c'est justement, il y a des personnes qui disent, ouais, non, mais j'ai pas envie de faire venir faire de l'activité avec des personnes obèses, mais on ne vit pas entre obèses, on ne parle pas d'obésité à longueur de journée. On fait de l'activité physique adaptée comme tout un chacun quand on a une problématique de santé ou de douleur ou de choses, et on est toujours, on n'est pas en train de et c'est là ça nous enferme dans ça. Il y a une diététicien qui vient en stage, il me dit, mon Dieu, mais tu as vu ce que tu as dans ton frigo? Eh ben excuse-moi du peu, qu'est-ce que tu as dans le tien? Enfin, tu vois, qu'est-ce que, pourquoi je devrais pas avoir des choses dans mon frigo? C'est interdit ou quoi ou qu'est-ce? Ou sinon on te dit, mais oui, mais vous restez qu'entre gros et vous discutez ensemble, mais où tu vas en fait? Je parle avec d'autres personnes qui n'ont pas de problème d'obésité et on s'en va marcher, on fait des randonnées, on croise des gens et on n'est pas que les gros qui sont sortis en fait. Tu es un charisme, tu es une personnalité, tu es un personnage et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Parce que justement, la conséquence de... Je rebondis sur le diapo. La conséquence de cette image négative de son image corporelle, mais ça va entraîner encore plus, ben, une mésestime de soi, ça va tourner en boucle et tu auras les régimes, c'est ça, c'est obsessionnel quoi. Je fais un régime, je perds du poids, je suis contente, hop, je reprends du poids, je refais un régime. Donc, je reprends du poids et je deviens irritable. Voilà, mais après, non, mais ça, c'est vrai que c'est important. Après, tu as toute l'irritabilité, mais tu as tous ces problèmes. On voit là maintenant sur les problèmes de plus en plus de dépression. Des manques de confiance des personnes en eux sur le fait de dire ben, des fois au début on disait quand tu parlais qu'on ne te prenait pas ton CV, et moi à un moment donné on te demandait sur ton CV ta photo, ton poids et ta taille. Je suis allée à Casino là-bas et le mec, j'ai dit, mais tu vois bien que je ne suis pas plus la chiffre en fait, tu vois, ouais, mais vous comprenez, mais en fait tu vois en caisse il n'y avait que des personnes qui étaient voilà, c'est en fait on prend l'image. Et j'ai dit, mais j'ai pas fait, je ne suis pas Claudia Schiffer, mais je peux faire des choses en fait. Et donc, on estampille. Là, par contre, la personne en obésité, on la met à la maison, à la MDPH, ancienne Cotorep, et on t'estampillait parce que tu ne pouvais pas travailler tes Cotorep. On te limitait à une structure et un endroit en fait. Donc, tu comprends bien qu'après, hop, transition, isolement, et transition, et bien, il y a des troubles multiples et variés qui arrivent en fait. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur l'intention finalement de cette présentation. Il s'agit de désamorcer. Moi, je trouve ça intéressant. Je pense que c'est le but de ce soir. Prendre du recul sur notre société, comprendre un petit peu les mécanismes qui sont en place, faire ce pas de côté, quoi, parce que pas tomber dans le panneau face à ces publicités, etc., voilà, qui sont là pour nous manipuler. Et qui crée chez nous finalement cet inconfort parce qu'on ne correspond pas. Bon. Et tu as raison, moi j'aime beaucoup ce que tu dis sur l'idée que il faut prendre en compte le sujet, la personne, quoi, sans la réduire à une caractéristique, etc. Voilà, on a affaire à des personnes tout simplement. Quoi, ouais. Et ce qui est important, moi je pense, c'est d'ouvrir à la différence. Et on est tous, on a tous des identités singulières, etc. Mais oui. Comme des êtres singuliers. Et moi, je dis, soyons autrement les mêmes. La différence et la différence, elle doit enrichir. En fait, maintenant, la différence, elle fait peur. En fait, c'est ça qui crée. Ouais. Et sauf que si tu t'enrichis de la différence de l'autre. Et que tu tires des enseignements sur qu'est-ce que je peux en faire. Moi, je vois quand on revient aux sportifs, et ça, je le disais beaucoup quand je faisais des congrès. Des compétitions. Quand je faisais des interventions sur des séances avec des patients. De toute façon, quand tu as connu, tu veux t'imaginer aussi un corps à une image que tu as connue. Quand tu n'as pas connu, tu ne sais pas à quoi t'imaginer. Donc, tu veux être le cliché ou... Et en fait, je disais, mais vous avez fait du sport? Oui, non, mais je voudrais refaire comme avant, mais je ne pourrais pas. Et en fait, il y a eu un reportage un jour qui m'a énormément touchée. C'était un sportif de haut niveau qui faisait du foot, dans un club lambda, en fait, mais en haut niveau. Et en fait, un jour, en sortant de l'entraînement, il s'est fait faucher par une voiture.
Et il a été fauché, il a perdu ses deux jambes. Et en fait, bon, après, il est allé dans un centre de rééducation qui s'est reconstruit et machin. Et puis après, il témoignait en disant, mais je n'ai pas perdu ma passion du foot, en fait. Je fais juste ma passion différemment. Et là, on en revient à l'adaptation. Si je peux dire un petit peu sur les APA, c'est ça. L'enseignant en activité physique adaptée, il ne doit pas adapter qu'au mouvement. L'adaptation, elle est se mettre à la hauteur de son sujet et construire avec lui l'adaptation possible, en fait. Mais avec tous les domaines. Oui. Ouais, moi, j'aime bien cette idée de... Non, ça me fait penser... Non, mais oui... Tu sais, quand tu parles, ça me renvoie plein de trucs en même temps, et dans ma tête, ça fait tout un monde. Ça me renvoie beaucoup à cet athlète Philippe Croizon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, amputé des quatre membres qui traverse la Manche, etc. J'ai vu son spectacle. Je conseille à tout le monde d'aller le voir. Il a beaucoup d'humour, d'autodérision, etc. Et je trouve que c'est un personnage assez sympa. Et il parle beaucoup, lui, de la différence autrement. Voilà, il montre qu'on peut faire des choses autrement, qu'on est capable autrement. Et je trouve que c'est central dans ce que tu évoques. Parce que nous ne sommes pas différents, nous avons juste une différence. D'accord ? C'est ça. C'est ça. Avoir une différence, c'est juste ne pas être dans la normalité. Il n'y a pas de normalité. Mais en plus de ça, quand tu parles de que ce monsieur-là, il fait de... Je ne le connais pas. J'irai voir un petit peu. J'avais entendu de son espace sportif, mais je n'avais pas vu son spectacle. Et en fait, moi, quand je suis... Je joue avec ce que je suis, en fait. Mais parce que je tourne à la dérision, je fais des blagues. Quand des fois, on anime des séances avec Laure... Et que justement, il y a des personnes qui sont en face, qui ont des problèmes de poids, et bien ils se disent, mais voilà, elle joue de tout ça. Je me dandine, je fais des défilés, je me dis, regardez, observez-moi. Mais c'est pas pour se mettre en avant, en fait. Et des fois, il y en a qui doivent se dire, mais elle fuit ce qu'elle est. Mais c'est que non, en fait. Ça veut dire que tu es vraiment, pour moi, en accord avec ce que tu es, en fait. Et pouvoir jouer de ce que tu es, de ta différence, de ta singularité et de ton handicap, en fait, eh bien là, c'est que tu as atteint l'apogée de ton épanouissement. Donc, si vous faites une conclusion, j'ai l'apogée de mon épanouissement. Ce qui me plaît là aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a cette idée d'aller vers un renversement du stigmate. Ça, je trouve ça intéressant. J'ai quelques exemples dans le monde du handisport et notamment dans le handiski. J'ai côtoyé quelqu'un qui m'expliquait que qui était une personne paraplégique qui fait du handiski avec il a pas besoin de pilote derrière, hein, pour l'accompagner, donc il est autonome, il prend les remontées mécaniques, etc. Mais ce qui est intéressant dans cet exemple là c'est que ce bonhomme là il donne des cours aux valides, c'est-à-dire qu'il donne des cours de ski aux valides. Je trouve ça extraordinaire parce que du coup, il renverse les représentations, il change la manière de percevoir finalement ce qu'on dit, la différence, capable autrement, etc. Et je trouve que c'est un exemple remarquable. Si on arrivait à aller dans ce sens, renverser le stigmate, bousculer les représentations, je pense que c'est une voie intéressante. Mais c'est sûr que tu vois, quand on accueille des stagiaires, et chaque fois, c'est flagrant toutes les années, des stagiaires à pain qui viennent et donc ils me voient faire les séances. Et quand ils me voient comme ça en entretien, alors après, l'oreille pourra dire, mais quand ils me voient en entretien, ils doivent se dire oui. Et puis quand ils me voient sur la pratique d'activité physique, je te garantis que moi, ça fait un moment que je travaille, tout ça, c'est du travail en fait. Et quand on fait des séances de gainage ou des trucs comme ça, elle en a dans le bulbe. Hein. C'est impressionnant sur le gainage, sur comment elle tient, sur la performance qu'elle peut faire. Moi, je n'en suis pas capable, en fait. Et c'est là où tu te dis, à tous ces jeunes-là, et c'est ça que je trouve que c'est intéressant après, et quand on discute avec les stagiaires qui viennent, dans une association de patients aussi, c'est qu'en fin de compte, ils voient une autre vision et en fait, ils sortent de leur représentation. Et bien quand sûr. Ils voient celle qui a 50 ans... Non, mais même s'ils ne veulent pas sortir, ils n'ont pas le choix, j'ai envie de te dire.
Mais quand ils ont celle de 50 ans, et c'est pour ça que sur la formation initiale, et sur, même, tu vois, quand on parle des médias, dans les écoles, dans les professionnels de santé, les paramédicaux, les acteurs en santé, et justement, sortir de ces champs-là, faire voir à ces jeunes que, en fait, la vraie vie, on en revient à l'association qui est l'exécutant de la... De l'État. Les politiques régionales. Mais non, mais en fin de compte, une association, maintenant, elle n'est pas limitée à ça, en fait. Et ouvrez-vous l'esprit et venez voir ce qui s'y passe. Et en fait, on est juste, et on est juste des acteurs aussi dans cette prise de conscience. C'est pour ça qu'on a le Balance Ton Live. C'est se permettre, autoriser de dire des choses et parler de la vraie vie, en fait. Et voir qu'à un moment donné, même si c'est marqué qu'une personne qui est obèse, qui a fait 200 kilos, qui est dans un fauteuil, qui a 80 ans d'arthrose à ses genoux, vous ne pourrez pas y faire n'importe quoi, ben quand ils me voient, je te garantis qu'ils se disent, mais il n'y a pas grand-chose qui n'est pas possible, en fait. Mais tout ça, ça s'est construit, en fait. Ce n'est pas juste. Donc, il faut aussi ramener tous les messages, toutes les informations qu'on donne et le rapporter à la vraie vie, à pas forcément que sur des cours, sur des choses, et faire voir que ben, chaque personne, chaque sujet, chaque personnalité est capable de se dépasser, de se surpasser, parce qu'on lui a donné des outils pour développer son image positive. C'est bien ça. C'est tout à fait incroyable. Très bonne transition. Non, mais elle s'entraîne pas, hein, pour les transitions, je te le dis. Il y a du travail. C'est ça, c'est ça. Donc, mais non, mais c'était la transition, j'y ai pensé après, mais c'était vraiment ça. C'est comme tu disais par rapport à ce monsieur qui donnait des cours en tant qu'handicapé au Valide. Et bien là, c'est quelque part quelqu'un qui vient. Je dis, et après, par contre, quand je dis, mais qui c'est qui veut me prendre? Alors, j'ai dit au stagiaire, bon, alors chacun, vous allez prendre une personne. Et des fois, je leur dis, ben, prenez-moi, enfin, si vous voulez, ben, je viens avec vous pour faire vos séances et vous me prenez en étude de cas un peu. Ah, mais personne ne me veut. Personne ne me veut parce qu'une personne comme ça, un patient qui est avec un savoir, mais ça fait peur en fait. Et alors qu'ils peuvent amener en tant que professionnel aussi, tu vois. Oui, mais ça peut faire, après, ça peut faire peur. Oui. Ça peut faire peur dans... Puis bon, c'est pas comme si elle était silencieuse. C'est-à-dire que si elle a quelque chose à te dire, elle te le dira. Mais ça fait peur, mais quand tu vois que ce monsieur handicapé qui donne des cours au valide, le valide, il peut dire, mais putain, lui, il arrive, moi, j'arrive pas. Tu vois, ça peut mettre en difficulté l'autre. C'est ça, c'est déconstruire, mais c'est déconstruire aussi les habitudes, ça, c'est sûr. C'est ça, détricoter tout ça. Voilà, donc il faut travailler pour donc, les solutions. Excusez-moi, je reviens sur la diapo. Il faut travailler sur l'estime de soi, l'acceptation de soi. C'est un peu ce que dit depuis tout à l'heure Annick sur la diapo précédente. Et une approche plus simple en fait, de la nourriture et de l'exercice physique. Et c'est de détricoter aussi les représentations sociales vis-à-vis de ces deux disciplines. Puisqu'il y a quand même beaucoup de représentations et on a eu encore un exemple flagrant cette semaine sur deux entretiens qu'on a eus avec des représentations au niveau de la nourriture et de l'activité physique qui étaient incroyables, comme le fait par exemple de transpirer. Si tu ne transpires pas, eh ben, tu ne vas pas maigrir. Si il faut faire du sport, il faut faire du sport, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Ben, il faut que je fasse, malheureusement, si ton cerveau n'est pas conditionné à le faire, ben, en fait, tu auras beau le faire, ça ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'il faut... Et même conditionné. Non, mais vas-y, finis. Il faut, parce qu'après, tu vas me dire que je t'ai coupé la phrase. Mais même conditionné à venir en entretien, en fait. Et justement, on a pensé à toi et il nous fait beaucoup rire. Beaucoup rire. Ah oui. Il vient, il croyait qu'il ne savait pas trop où il venait. Et il savait que c'était pour perdre du poids. Mais en fait, je crois qu'il pensait qu'on était des soignants. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, il avait peur qu'on y fasse des piqûres. Mais et surtout, il parlait comme dans un livre. Donc, je disais, mais alors, tu manges comment? Ah non, mais je ne mange que des légumes verts. Je ne mange que des légumes verts. Je ne mange pas de féculents. Je ne mange pas tata. Donc, il parlait, mais comme les personnes lui avaient dit, et tu vois, le fait de venir dans un endroit qui était autre que ses repères qu'il avait. Ouais. Et en plus de ça, un endroit pour le poids. Donc, il devait avoir le discours qu'il avait avec une diététicienne et un discours médical. Donc, à un moment donné, j'ai dit, mais tu fais quoi? Ben, non, mais je mange comme ça. J'ai dit, tu manges devant la télé? Tu manges, comment tu manges chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Non, non, et tout était parfait. Et à un moment donné, j'ai dit, mais tu fais quoi après?
Et il me dit, des fois, j'aime bien aller dans ma famille. Ah, j'ai dit, ben, c'est bien. J'ai dit, tu fais quoi dans ta famille? Il me dit, j'aime parce que je vais faire l'apéro. et c'est là que, après, il y a eu le fait qu'il s'était conditionné comme ça. Ouais. Et le fait qu'il me dise, ben, moi, je vais là-bas parce que je vais faire des apéros. Ben, j'ai dit, on a un point commun. Et en fait, de suite, ça a enlevé cette distance-là. Et quand on y a dit en plus qu'on ne faisait pas de piqûres, alors là, ça a enlevé totalement les barrières. Et en plus de ça, c'était, il pouvait se permettre et s'autoriser à dire. Et à être soi. Et à être lui, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de jugement, parce qu'il n'était pas pris, il n'était pas pris là pour ce qu'il mangeait, comme il bougeait, ce qu'il avait. Il était pris là en tant que Noël et ce qu'il voulait être lui et qu'est-ce qu'il avait envie de, quoi. Mais ça a été vraiment. Et après, quand on a pris sur l'apéro, j'ai le saucisson, les petites cacahuètes. Elle dit oui, mais l'alcool aussi, c'est bien. Il faisait, oh. Mais c'est ça, et c'est là que c'est beau. Et moi, je trouve que là, tu es vraiment dans le cœur. Et c'est pour ça qu'après, je vais pas trahir un secret. Hein, parce que, alors, à part les gens qui sont loin, mais les personnes ici savent que pour moi, c'est important de pouvoir collaborer avec des personnes comme toi sur de la recherche. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, c'est ce qu'on fait ici, mais pas dire qu'on fait ici, mais qu'on peut faire ailleurs. Moi, je crois vraiment que c'est ça qui est vrai, parce que tous ces gens-là s'autorisent à être eux, en fait. Et du fait qu'ils vont s'autoriser à être eux, c'est à nous à nous adapter à quels outils on va leur déployer pour que justement ils arrivent à pérenniser. Parce que l'adaptation, il faut qu'elle soit des deux parties. Et c'est ça le cœur du problème, de la chose. Nous, en fait, moi je dis c'est une association, mais c'est un lieu d'accueil de personnes, en fait. Mmh. Et en fonction de ces personnes, on les écoute, on les reçoit et on s'adapte à eux. Et c'est à nous. Alors c'est sûr que c'est plus difficile et c'est plus compliqué. Parce que c'est ça qui peut nous mettre en difficulté. Mais je vous garantis, parce que je vous parle à vous deux, mais c'est ça qu'il faut aller faire voir. Et parce qu'il n'y a que la recherche qui montrera ça, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et quand on aura montré ça, eh ben on pourra passer à un autre échelon, il y aura encore plus de prise de conscience et tout, et tout, et tout. Je suis de ton avis. Moi, j'aime bien cette idée de partage d'expérience à bâton rompu, dans des espaces qui permettent de s'exprimer librement, etc. Et souvent, quand on est face à, je dis une bêtise, à des pères ou à des personnes qui ont un peu le même vécu ou qui sont passées par certaines étapes, certaines épreuves, ben, c'est toujours intéressant de s'en inspirer, de voir comment la personne a trouvé des solutions, etc. Et moi, j'aime bien cette idée d'un pas de côté sur sa trajectoire, tu vois. C'est ce que tu évoques. Moi, je trouve ça assez intéressant. Après, nous, la recherche, notre but, c'est de participer à ce type d'émission, à ces espaces-là, quand il y a besoin, de vulgariser, parce que bon, moi, je ne peux pas trop entrer dans les détails, hein, mais ça m'intéresse d'essayer d'apporter des éléments de compréhension des mécanismes qui organisent finalement nos manières de penser, d'agir, quoi. Et donc, moi, je pense que la recherche, elle a aussi vocation à bousculer aussi, on va dire, certaines manières de faire. Comme tout à l'heure, je parlais du travail sur les médias, Jeux olympiques et paralympiques. Moi, je pense que ça a eu un impact quand même sur les manières de mettre en scène, voilà, les performances, tous ces travaux-là ont eu, à mon sens, je pense, des effets, hein, sur la manière de penser les performances des athlètes handisportifs. Donc, je pense qu'aussi la recherche a ce rôle-là. Ah, mais sûr, mais c'est ce que je dis, en fait. Même sur la recherche, tu vois, sur la paire aidance, quand on a des discussions, comme on parlait tout à l'heure, mais justement, c'est ça, la recherche, elle va permettre, et ça, j'en suis sûre, à donner une légitimité, parce qu'on en parle beaucoup, mais ce n'est pas reconnu. C'est un peu comme l'image du corps ou celui qui doit être comme ça. Oui, c'est très bien, tu n'es pas parfaite, tu t'assumes comme tu es, mais il y a toujours le doute, tu vois, qui subsiste en disant, non, mais elle en fait tellement des caisses qu'en fin de compte, elle ne doit pas être très bien dans son corps, très bien dans son image. Et en fait, je pense que vraiment, si
sur la recherche, et justement, j'en parlais avec, quand j'ai fait le diplôme universitaire, partenariat patient-soignant, la recherche, je ne voyais pas l'intérêt dans ce que j'allais mettre et dans tout ce qui me portait dans mes actions, en fait. Mais elle va servir à ça. Alors, comme la recherche, elle sert à faire progresser le traitement du diabète avec maintenant plein de dispositifs et de choses, et c'est pour ça que ça a avancé. Et moi, je crois que vraiment, la recherche sur les sciences humaines et sur cette dimension-là va permettre de faire changer, de faire évoluer des prises de conscience, de faire avancer dans des formations initiales où on va faire voir quand on fait patient, chercheur, formateur, ben ça fait voir aux futurs kinés qu'en fin de compte, une madame qui s'appelle Annie Conchiro, elle arrive là, elle est juste formatrice. Et après, derrière, ils ne s'imaginent pas tout ce qu'il peut y avoir dans... Et en fin de compte, je suis juste une potentielle patiente qui peut rencontrer, en fait. Et c'est pour ça que cette plus-value, elle est importante. Et moi, je crois vraiment que la recherche va permettre de faire un état... peut permettre de faire un état des lieux de certaines choses, tester certaines choses, regarder comment ça s'est passé et surtout... expérimenter des solutions qui vont faire avancer. Parce que sans la recherche, et ça, je l'ai découvert à travers le travail où je vous ai accompagné avec Laure, et c'était un réel plaisir sur cette année, où je me suis dit, mais c'est ça, en fait. C'est qu'après, hop, tu fais une ouverture et cette ouverture va te permettre d'aller tester autre chose. Et c'est un peu le truc en entonnoir où, à un moment donné, eh bien, il y a encore des choses. Et ça, sans la recherche, on n'arrivera pas à faire avancer tous ces domaines-là, mais pas que pour l'obésité, pas que pour l'handicap, mais ce domaine-là des sciences humaines, j'en suis sûre qu'elle va faire progresser, mais il faut faire progresser une société, des représentations, et en avançant, on y arrivera avec toutes ces parties-là, en fait. Et c'est non négligeable. Et voilà, oui, pour moi, c'est l'enjeu un peu de la recherche de montrer ces mécanismes, enfin de montrer un peu voilà, ce qui influence, ce qui produit finalement certains comportements. Et ça demande pas mal voilà, il y a des approches voilà, qui vont s'intéresser. On parle d'expérience, de vécu, on parle d'ordinaire, du quotidien. Voilà, il y a certaines approches qualitatives voilà, qui peuvent, on va dire, restituer et analyser voilà, ces manières de faire au quotidien qui sont jamais finalement, on va dire, étudiées. Hein. Il y a des angles morts. Hein. Donc ces approches-là commencent un petit peu à être valorisées, à être mises en avant. Moi, je pense beaucoup à l'approche ethnographique, hein, ce que voulait mettre en place Laure au départ. Qui est une approche inductive, donc voilà, qui part pas avec des cadres, mais qui justement laisse la place aux réalités, au terrain. C'est le terrain finalement qui va faire émerger certains mécanismes. Donc voilà, de ce type d'approche, voilà, qui est un peu parfois méconnu, ou souvent ne pas du tout identifié à de la science. Donc, et au contraire, justement, ça montre certaines choses. Voilà, mais là, le problème, c'est que la science, à un moment donné, elle fait voir avec les patients chroniques, excusez-moi, et ça sort de la boue d'une culture. Ouais. La science, elle fait voir avec les patients chroniques qu'à un moment donné, ils ont une limite sur les sciences pures, dures. Dans certaines problématiques comme l'obésité et comme d'autres, si on ne vient pas en complément chercher sur ces sciences-là, on n'avancera pas, on sera limité, on se bloquera à des choses. Et si on n'a pas ces problématiques, enfin, cette approche où justement venir analyser... Qui sont totalement complémentaires. En et fait. C'est le milieu qui va sortir, c'est du milieu-là qui va sortir la solution et l'expérimentation et les choses. Et c'est comme ça qu'on fera avancer. Et en faisant avancer ces deux sortes de recherches ensemble et pas contre, en fait. Oui, alors une solution, des solutions peut-être, mais surtout une compréhension. Et c'est de cette compréhension qu'on peut commencer à envisager voilà, une forme d'opérationnalisation à partir des résultats. Évidemment, moi j'aime bien cette idée de complémentarité entre les approches. Hein, et justement, c'est vers ça qu'il faut aller. Ouais. Mais si tu n'as pas de problématique, tu n'as pas d'observation, tu n'as pas de... Moi, je mets mon chapeau. Vous savez ce que c'est, ça?
Mais surtout, après, juste sur justement sur l'étude, sur l'approche ethnographique, c'est-à-dire que les personnes, elles viennent, les chercheurs, et c'est pour donner un peu, peut-être on fera un truc sur la recherche un jour, si tu es d'accord, pour faire expliquer au grand public ce que c'est vraiment. Mais en fait, c'est une personne qui vient, un chercheur qui vient en immersion dans un lieu et qui observe. Alors, pourquoi aussi, tu me diras, Eric, si ce n'est pas tout à fait ça, pourquoi c'est peu fait? Parce que c'est le chercheur qui est encore plus en difficulté, parce que ça le fait sortir de ses zones de confort, ça le fait rester vraiment en observation. Et en fait, il va apprendre du terrain sans vouloir tout façonner, influencer ou argumenter sur quoi que ce soit. Donc, c'est juste là, et c'est ça qui fait la richesse, parce que, et après, c'est avec des entretiens qui vont être menés sur des histoires ou des moments de vie vécus qui va faire qu'on va partir de ce moment de vie pour arriver à détricoter. Pour arriver à détricoter plein de choses. Mais bien sûr que ça va faire avancer. C'est mieux qu'une consultation chez un médecin, parce que déjà, le contexte, tu vois, hôpital, machin, tu poses tout. Quand on parlait de paramètres, de choses qui vont interagir, qui vont déjà fausser à la base, eh bien là, on est exactement dans ça. J'ai envie de dire, c'est pas suffisamment enseigné. Alors, moi, je suis dans l'univers des STAPS, donc c'est pluridisciplinaire. La microsociologie, c'est très peu finalement enseigné. Et on donne très peu finalement la possibilité aux étudiants finalement d'aller vers ce type d'approche, parce que ça demande du temps. Parce qu'en fait, ce qu'on propose à partir de ces approches-là, c'est un regard de l'intérieur. Et c'est ça qui est, je vais te sortir un mot barbare, qui est heuristique, c'est-à-dire qui amène un nouveau regard qui permet d'aborder les choses autrement. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça remet souvent en cause certaines grandes catégories, certaines grandes théories, et à porter ce regard-là, ben justement, ça montre autre chose. Donc ça déconstruit certains grands concepts. Alors, un des grands concepts qu'on avait évoqué, c'était celui du Caire avec l'or. Bon, ben voilà, le Caire, avec le travail que tu as mené, on peut facilement le rediscuter, le redéployer. Voilà, ces grandes catégories, souvent, elles ne fonctionnent pas quand on commence à s'intéresser à des cas particuliers, à des espaces qui sont investis comme ça, parce qu'on porte un regard vraiment qui montre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, du coup, ça oblige le chercheur à se mettre dans une posture qui est celui de l'apprenant, qui est celui de la personne qui devient intime avec le groupe avec qui il passe du temps, quoi. Donc, c'est une approche très particulière, hein, peu connue. Dans l'univers des STAPS. Après, vous allez à Paul Valéry, les anthropologues, évidemment, c'est un des principes, hein, dans leur manière d'appréhender la recherche. C'est lui qui fait à Paul Valéry, qui fait à l'école de kiné, qui fait l'étude sur patient partenaire formateur. Sur comment, justement, un patient partenaire va pouvoir trouver sa place, et aussi sur la formation auprès des jeunes qui vont être futurs, changer le regard, la perception et. Et quoi, l'influence, dans quelle mesure le patient gère. En tout cas, le problème, je vais vous expliquer moi où il est le problème, c'est que depuis qu'Annick est à fond là-dedans, dans tout et n'importe quoi, d'accord, elle nous fout une problématique, des hypothèses, de tout. Moi, je n'en peux plus, d'accord, même à table, ça n'a aucun rapport, elle te fout une problématique. Après, le haricot du machin, non, je n'en peux plus. Écoute, il y a Cécile qui dit, vous arrivez parfaitement à vous adapter à chacun d'entre nous, donc ça veut dire, merci, Françoise, est-ce que ça ne va pas depuis que j'ai découvert tout ça, je suis notre femme.
Tout à fait. Voilà. Ça m'a ouvert, épanoui, ça m'a ouvert les esprits. Et alors, je sous le lolotte, mais... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on a dit modération, c'est dans tout. Adaptation, on a dit surtout. J'en ai besoin, donc je m'épanouis là-dedans. Fort bien. Je réponds à mes besoins. Mais est-ce que tu crois que M. Pereira, quand il parle de haricots, comme mais ça, Monsieur il Pereira, une problématique en pleine est-ce que tu regardes M. Pereira et Annie Contureau, est-ce qu'on se rosa? On n'est pas du même genre. Il parle du haricot vert comme il veut, moi j'en parle comme je veux, tu vois. Mais heureusement... Je veux plus. Mais par contre, il a dit que quand je parlais, il y avait plein de choses qui se passaient dans son cerveau. Tu vois que je pense qu'on est un peu... Mais pour s'entendre, il peut être un peu perché tous. D'accord, tu ne s'entends plus? Mais si, mais tu es perché toi aussi. C'est vrai. C'est vrai. Belle remarque. Très belle remarque. Donc en tout cas, mais je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter et si tu veux dire quelque chose sur... Ben, ce moment, mais qui a duré quand même. Ben, ça fait 2h30 qu'on est là. Je crois qu'on a fait plus de Madame Canivet. Madame Canivet, elle est venue, elle nous a fait du chikung pendant 2h15. Ah, je crois que c'était 2h15 et là, on a battu les scores. On a battu les scores, mais 2h30. Alors, je ne sais pas, on va te... ben, voilà, qu'est-ce que tu as pensé? C'était la première fois parce que nous, on t'avait vu. J'ai partagé aussi avec l'historien sur... et c'était autre chose, je pense. Donc, c'était, je pense... Oh, c'est une autre approche, il y a plus une part d'improvisation dans l'échange, même si il y a deux, trois bricoles qui sont préparées, mais bon, finalement, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire, c'est pas grave, c'est le fil de l'échange, donc je vous suis. Donc, c'est intéressant parce que du coup, c'est assez, comment dire, ça ouvre comment dire, à des pistes de réflexion. Voilà, le fait de vous entendre parler de certaines choses, votre expérience, etc., du coup, bah, voilà, ça fait émerger certaines choses. Mais bon, si j'avais dû parler de tout ça, je n'aurais pas abordé de cette manière-là. Mais là, le fait que vous soyez là, c'est un autre exercice que je trouve très intéressant. Parce que du coup, c'est pas épuisant. c'est plutôt convivial. Et finalement, c'est pas épuisant, ça c'est incroyable. Ça arrive très rarement. Je suis très fatigué. Merci. Oui, parce que des fois, on dit une fois. Ils sont épuisants. Voilà. Mais... Hier soir, c'est quoi qu'ils ont dit? Je ne me rappelle plus, mais c'est un peu spécial. Hein, voilà. Non, et je trouve qu'on débouche quand même sur des pistes, voilà, de réflexion. Et je ne sais pas s'il y a des auditeurs et autres, mais l'idée de désenclaver certaines choses. Voilà, moi j'aime bien cette idée d'un petit pas de côté sur, voilà, sur cette thématique-là, mieux l'appréhender. Je trouve que on a abordé un peu les choses un peu comme ça en vrac, même si c'était un petit peu organisé, mais on est rentré dans le dur, je pense. Donc tu étais trouvé à l'aise dans cette approche. Et nous, c'est une autre manière de faire j'ai l'impression d'être au bar du coin sans le verre d'alcool, quoi, voilà. Mais après, en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes balancent ton live, c'est pour ça que je te disais, mais c'est aussi te rendre compte de ce que c'est et ce que ça amène. Ça fait un an et demi qu'on a mis ça en place, donc pendant le confinement, le premier confinement. Et donc, les personnes qui nous suivent, il y a de plus en plus de personnes qui viennent, mais en fait, elles cherchent ça, en fait. Elles cherchent d'entendre parler de choses qui parlent de problèmes de vraie vie. Comme tout à l'heure, tu vois, il y en a une qui a dit, quand j'ai eu un petit fou rire qui est légèrement, et qui a dit, mais votre rire est communicatif, et que des fois, en fin de semaine, ou le mardi, et ta semaine, elle est compliquée, on n'est pas là pour, on peut parler des choses, sans faire tragédie, acte 1, 2, 3, 4. La vie, elle est tellement compliquée et on essaye de faire des messages de prévention, de donner de l'information, de sensibiliser les gens dans ce qu'on est, en fait. Et en fait, les personnes qui viennent, alors des fois, ils sont un peu plus préparés. Je pense que toi, tu t'y attendais pas trop. Mais c'est ça. Ce n'est pas du préparé, c'est du fluide. Et hop, on agit, on interagit. Et les personnes, elles aiment ça et elles viennent chercher ça. Et quelque part, tu vois, comme tu dis, c'est un apéro, mais comme ça. C'est mais pour les personnes qui sont là, bien souvent, c'est merci parce que c'est un bon moment, c'est un moment de détente, c'est un moment de partage, même si on peut parler de choses qui sont importantes, en fait, ou qui peuvent aussi, chambouler.
Et il y a une personne qu'on a connue pendant le confinement et qui a évolué vraiment et qui a fait des choix, qui s'est positionnée. Et ce soir, elle voulait être là, mais je pense qu'après, elle le regardera en replay. Mais voilà, ce n'est pas anodin tout ça. Et l'outil, quand on parlait d'outil numérique, vraiment, cet outil-là, bien utilisé, ben là, ça a permis d'amener un plus, de continuer à faire ce partage et de continuer la vie. Et bien, dans des moments qui étaient compliqués. Et maintenant, c'est devenu ben, les rendez-vous du vendredi, les rendez-vous du mardi, et les personnes l'attendent, en fait. Et quand on n'y est pas, ils nous envoient des messages. Il n'y en a pas ce soir. Il n'y a pas de groupe ce soir. Donc, tout le monde remercie. C'était très intéressant. Et donc, il y avait pas mal de personnes qui se sont connectées. On est monté à pas mal d'œils, parce qu'on a des œils sur Facebook. Ah, OK. Voilà. Mais après... Et après, ben, franchement, moi, ça a été… Alors, je laisse ouvrir le mot de la fée à l'autre. Voilà, comme d'habitude. Ça, elle va faire une phrase qui va faire 4 lignes. Et après, moi, je vais être là. Merci, bonne soirée. Alors, en tout cas, moi, je dis que je me suis régalée. Merci, Eric, d'avoir été là. À toi, Lolo. Avec plaisir. Mais que tu es incroyable. Tu es surprenante. Je ne crame pas. Écoute, je peux plus. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je me suis régalée aussi. Tu vous vois, monsieur Pereira ? Mais vous, vous êtes deux, hein ? Mais ça suffit maintenant. Oh, donc voilà. Donc, j'espère. Moi, je me suis régalée en tout cas, parce que tu vois, je repars à ma première fois. Ça peut durer très longtemps, cette affaire. Voilà. Et de tous les cas, on se retrouve très rapidement. Si vous avez des questions, si vous voulez nous parler ou autre, nous contacter, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux. Nous sommes là. Le téléphone d'Annick aussi sonne toujours. Vous pouvez, bien sûr, à 3h15 du matin, elle le préfère. Surtout, n'hésitez pas. Mais là, je comprends. Il y a des WhatsApp qui sont des fois coupés. Quand c'est trop tard, j'en vais sur WhatsApp. Comme ça, je dérange pas. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à réagir. Si vous voulez regarder aussi le Balance Ton Live un peu plus tard. On vous fait à tous de gros bisous. On vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine, lundi, mercredi et vendredi pour l'activité physique. Et mardi et vendredi pour le groupe d'échange et la table ronde. Je dirais, mais tu as fait un chapitre. Hein. Ça déconne, je fais le programme de la semaine prochaine. Moi, je ne peux plus. Si jamais vous avez des petites pilules, je suis preneuse, d'accord ? Non, Eric, ne dis pas que tu en as parce que c'est moi en premier. On ne lui dira pas. On lui dira pas. En tout cas, ben, on espère qu'on t'a fait un petit peu décompresser de ta semaine. Si on a pu t'amener ça, c'est bien. Mais si on n'a pas pu, ben, tant pis, excuse-moi. Ah non, mais complètement, complètement. Non, c'était très... Donc, j'étais ravi de participer à cet échange. Bon. Eh ben, nous aussi, on était ravis de t'avoir. Bon week-end à tout le monde. On se quitte avec une petite musique. Mais bien évidemment, chère Annick, attention. Et non, tu ne te vois toujours pas. Tu sais pas, est-ce que ça t'angoisse ? Non, je ne vois pas, monsieur Pereira. Voilà, c'est ça. Ouais. Non, moi, je peux plus. Allez, bonne soirée, bon week-end. Et prenez soin de vous. Let's go!